après plus de 200 ans d'indépendance, la nation haïtienne, plus pauvre, plus divisée que jamais, continue encore de se chercher à travers la discorde politique incessante, orchestrée par des politiciens avares, corrompus et impotents. Pour une alternative obligée à nos moments de gaspillage et d'indifférence, Radio Contact vous invite à suivre Les Grands Débats. Les Grands Débats, une émission à caractère sociopolitique et culturel sur tous les dossiers de la vie nationale, présentée par Maître Charles Jones, chaque samedi soir entre 8h et 10h sur le 87.9 et les www.radiocontact.com. C'est haïtien nous. Haïti pas de jambes nous. Nous pral camper, nous pral bailler force. Haïti! Ensemble, agissons pour Haïti. Un petit geste derrière peut tout changer. Mais faut-il qu'on attende que la terre tremble, que la terre s'ouvre, ou que nos cœurs s'ouvrent aussi? Au nom de Dieu, le miséricordieux, car la terre est odieuse par ici, je n'ai Dieu que pour Haïti. Oh Haïti, qui s'en peine à payer, même si nous loin souffrance l'en partager. Comment, au milieu de cette désolation, rester insensible à ses regards d'enfant? Haïti maudit, Haïti. Paroles ne valent rien devant ceux présents sur le terrain. Haïti, c'est qui en moi de vous tous a besoin. Haïti,
pour se mobiliser. Faut-il être d'une même couleur pour se sentir concerné? On vient chanter l'unité pour Haïti où le temps s'est arrêté. Même irrité, on milite de notre amour, Haïti a hérité. Mais pourquoi, Haïti chérie, que je chante aujourd'hui? Pour le peuple haïtien, oh oh oh. Une action, un soutien, un espoir pour que jamais on ne vous abandonne. Il est dur de croire que Dieu a répondu sur autant de vie. Chamirek, pas Moli. Ils ont besoin de nous, de vous. Nous tous solidaires pour Haïti. Agissons ensemble. Haïti contre nous. Vous écoutez Radio Contact FM, Contact FM, le meilleur contact de tous les temps, de tous les temps. Compact, zouk, salsa, troubadou, à toute heure, autour de 24 heures. Radio Contact FM plays music that you haven't heard. Today, best music. Yeah, that's true. J'ai musique sans même pas j'aime des chansons spontanées de l'autre côté. Music that you could hear anywhere, at home, at work, in your car. Today, best music. Radio Contact FM plays music that you haven't heard. Best music. Yeah, that's true. J'aime musique sans même pas j'aime des chansons spontanées de l'autre côté. Music that you could hear anywhere, at home, at work, in your car. Today. Seigneur,
Haïti, jardin dans moi. Habitant des contemplés. Soto brillant financé, yo, pour yo, bâti, caille, vagant. Et tirage en vin fini. Habitant des soins de la ville. Yo, bise, passe, remonté. Yo, fait ou toi, cathédrale. Chers amis de partout, qu'il me plaise de vous souhaiter le bonsoir. C'est un honneur de vous croiser le chemin comme d'habitude au carrefour des grands dossiers et des grandes contradictions de la vie nationale haïtienne sur le 87.9 Contact FM. Nous sommes aujourd'hui samedi 2 mars 2013. C'est la première édition des grands débats pour ce mois de mars. Des mois et des années, pas vrai, nous en avons compté pas mal dans le pèlerinage politique du peuple haïtien. Ce sont des mois et des années qui n'ont rien apporté de positif pour les Haïtiens en termes d'adoption, de reconnaissance d'une vision nationale axée sur des piliers qui définissent objectivement un projet colossal de reconstruction nationale à travers ce que j'appellerais un format qui est axé sur la trilogie d'un système éducatif standard, du kindergarten à l'université, tendant bien sûr à modeler et à former le nouveau citoyen haïtien, la nouvelle citoyenne haïtienne pour les 10, les 20 prochaines années. Ce serait bien. Deuxièmement, sur redistribution équitable et sans équivoque du pouvoir étatique tel que conçu par Montesquieu dans son livre titré de l'esprit des lois qui tendait à favoriser une certaine harmonisation et une certaine efficacité dans la gestion de la res publica au nom de la nation. Troisièmement, sur la déficience des partis politiques traditionnels pour couper court à la corporatisation de l'environnement politique haïtien. Et quatrièmement, sur la dynamisation d'une politique agricole visant à maximiser la production nationale. C'est sûr que le pays d'Haïti, son pays nous connaît, on dit qu'il s'est, son pays, il a toujours répété, traditionnellement, on dit, son pays, naturellement, c'est la vérité, essentiellement agricole, donc c'est la terre pour notre travail, pour nous manger, pour nos produits, et si nous voulons exporter, si nous voulons arriver à un certain essor au niveau économique, nous devons passer nécessairement par la production. Et on pas capable d'envisager la production sans les paysans, le savoir-faire, la force, le travail des paysans, mais aussi à travers aussi une certaine maximisation les plantations. Nous connaissons pile tentative de réforme agraire qui fait dans les paysans. Dessalines essayer, donc un pilote homme d'État essayé, René Préval à sa façon. Médiocrement essayer, les prend tous les paysans, et puis les bails, les gens qui ne connaissent rien dans le sacré travail, et puis la guette et ouate, pas jamais osé, et puis créer une situation, un environnement politique, on a dit, qui est empoisonné, côté que les gens qui habitent la campagne, ils sont censés dépasser par les événements, dans le sens que il n'y a pas de moyens de production, il n'y a pas de moyens de survivre, et il est obligé d'emprunter le chemin de ville à la recherche d'une vie meilleure, en façon pour y survivre. Et dans la ville, vous avez un environnement qui est empoisonné par des crises politiques intermittentes, naturellement occasionnées par
des hommes politiques, des chimais, qui sont des hommes politiques, des cocorates, on a dit, qui intégraient tout tissu, toute cellule système politique haïtien. Et ça vient au un pays au niveau économique qui a dit démantelé, qui n'a pas fonctionné du tout, hein, dans quel que soit le niveau qu'on considère. Eh bien, ça vient au en surpopulation au niveau de la capitale. Et côté qu'un pile monde qui vit dans la capitale là, naturellement, c'est pas que y'a un caille pour habiter, y'a obligé de marcher à gauche-droite, hein, comme des fous. Je viens de tenir des nomades. Et puisque je suis allé vers la ville, surtout vers la capitale, côté que c'est pas, il n'y a pas qu'une formation, il n'y a pas qu'une skills, il n'y a pas qu'une éducation, il n'y a pas qu'un travail, vous voyez, que au café, au niveau de la capitale, au niveau des villes. Donc, dépasser quand même par ces situations-là, par ces réalités-là, ben, jeune garçon, jeune femme, qui sautille en province, qui sautille en dehors. Jeunes garçons qui sortent à l'étranger, c'est les déportés, hein, qui passent des années à l'étranger, qui ne connaissent rien dans la vie, la réalité haïtienne, et ils ont débarqué en Haïti, côté qu'ils n'ont pas gagné au café, pas gagné de travail qu'au café. Et ça qui est plus facile là, ben, c'est chercher un moyen pour adapter. Cherche un moyen pour survivre, un moyen qui est plus facile dans un pays comme Haïti, côté que l'État n'est pas responsable, côté que l'État est indifférent, parce que l'État tellement pas de temps pour lui préoccuper de société, hein, pour le préoccuper de son travail, préoccuper de ce qui a passé dans le pays, hein, en termes de sécurité, en termes de développement, en termes de en termes d'investissement, puisque c'est son bataille politique de longue haleine, hein, au jour le jour. Son bataille dans la radio, bataille dans la télévision, avec les partis politiques, avec les membres d'organisations populaires, entre guillemets, hein, des cocorates, en pile l'année qui a créé organisation des droits humains pour faire chantage politique, pour créer capital financier. Donc, vous venez gagner des hommes d'État, des gouvernements qui toujours dans lutte acharnée, avec des partis politiques, des membres d'organisations, des OP. Hein, viennent censés abandonner naturellement de manière délibérée. C'est un choix, hein, c'est un choix. Abandonner population. Donc, c'est ce groupuscule de la population qui est censé dépasser par ce qu'a fait dans le pays, dépassé par manque de moyens de survie, okay, ben, il est tombé dans fait kidnapping. Yeah, il est tombé dans fait viol. Ah, il est tombé dans jeter fatra à gauche-droite. Hein, donc, parce que nous avons l'État qui vient dépasser aussi pour qu'on parle. Avec une société, côté au niveau du commerce, ben les marchands, et ben, ils font ce qu'ils veulent. Je dis en magasin 5 dollars, et ben, demain, pas étonnant, après, ils ont mettre 20 dollars sur lui. Ici, aux États-Unis, c'est sûr qu'ils ont monté pour les magasins, ils ont mis 10 centimes sur lui, ils ont mis 25 centimes sur lui. Hein? Donc, il n'est pas facile pour arriver d'un seul coup, pour 50 centimes monter son magasin. Mais en Haïti, ce n'est pas 50 centimes, c'est par 100 dollars, c'est pas 50 dollars, par 200%, 300%, ils ont augmenté le prix. Donc, vous venez d'un pays, franchement, qui n'est pas fonctionné dans aucun sens. Je pense que l'important pour nous gagner des hommes qui mettaient en place pour dire que nous passons des années à bataille. Hein, des années, nous avons fait crise, nous avons voulu monter. Alors que le problème, non. Les vrais problèmes qui concernaient développement pays, ça, développement. Sociopolitique et culturel pays d'Haïti, hein, ben, nous quittons à côté, hein, nous mettons au rencard, nous ne pas jamais garder du tout, hein, nous ne pas jamais garder, nous pas préoccupés par eux-mêmes. Et bien pour qui ça, cette fois-ci, nous pas essayer, ouais, dans quel niveau, dans le cheminement, non, historiquement parlant, que nous faisons toutes les séances, hein, et qui action que nous avons posé de manière objective. En façon pour essayer, hein, essayer rattraper le temps perdu. Essayer rattraper le temps perdu au niveau éducatif. Hein, en système éducatif, que d'envisager de kindergarten d'arriver au niveau université, côté que on pas gagné, j'aime dire souvent, l'école pour soviète, on l'école pour monde qui gagne l'argent, on seule l'école pour tout haïtien. On seule l'école. Depuis qu'il y a haïtien arrivé dans l'école, premier jour, un bel grand professeur qui est formé. Et non, l'école spécialisée, ça veut dire l'école normale, là, même d'avoir changé non ça, ballon l'autre nom, ou bien quitter même nom,
me changer structure, me changer pédagogie, me changer infrastructure, me changer type de matériel, n'est pas au niveau de médium ça qui pour former les professeurs, nous former les professeurs différemment et nous former au niveau mondial. De façon pour professeur haïtien en compétition à quel que soit professeur gagnant mode là, des professeurs agrégés, des professeurs qui subissent des concours, et c'est à partir de concours de capable d'intégrer le système éducatif côté puis aller enseigner dans kindergarten, enseigner dans l'école primaire, dans l'école secondaire, enseigner à l'université, et ils tout formés même gens et non censé prioriser l'excellence, hein? Nous prioriser l'excellence, nous médailler, nous récompenser l'excellence. En façon pour que nous gagnions des Haïtiens qui vraiment formés, nous sommes des Haïtiens qui formés, mais nous gagnions un pays côté que ça me l'analphabétisation, l'analphabétisme, eh bien, il fait partie du passé. Il fait partie du passé. Donc, il est censé commencer à éradiquer le phénomène. Ça, pour que les Haïtiens ne parviennent pas dans une série de vieux complexes de langue, pour dire c'est la langue qui a péché que nous développer, c'est la langue qui a péché de ne pas comprendre ce qui a passé, c'est la langue qui cause que la bataille à gauche droite. Parce que quel que soit le pays qui est arrivé dans le monde là, et puis c'est le monde qui est, même si c'est chinois qui a parlé devant, et bien, on fait un bon 3, 4 mois, 6 mois là, on chita, on a parlé chinois avant l'école là, et bien on va arriver à comprendre chinois, on va arriver à parler chinois plus parce que c'est chinois. Vous comprenez? Donc c'est important pour nous essayer de définir un système éducatif, côté que le monde qui n'a pas de chance à l'école dans la vie, eh bien, nous avons fait pour nous rattraper. Rattraper malgré l'âge. Hein? Rattraper malgré l'âge, faire l'alphabétisation pour nous. Il y a des groupes bien formés, hein? Des groupes spécialisés, qui sortent dans l'école spécialisée, ça, que l'État mettait sur pied, eh bien, pour aller dans la ville de province, aller quelque soit à côté, qui gagnait. Bon, naturellement, c'est pas. Ces groupes spécialisés, eh bien, on supposait joindre sur le terrain. Hein, dans tout département qui gagne dans le pays, bah, vous gagnez des professeurs qui destinés, des étudiants qui destinés en façon pour aider à alphabétiser haïtiens, alphabétiser paysans, alphabétiser puis les citoyens haïtiens de la ville, tout le monde qui va qu'on lit. Au moins même certificat, l'État exigé, il faut faire. Et pas qu'en pile, pas qu'en parlant pile, pas qu'en voyant monter dans la radio par des hommes politiques qui ont utilisé de qui ça que nous voulons faire en façon pour. Vous voyez tête, vous montez, vous voyez agenda, vous montez. Et je veux dans l'esprit population. Pas gagner des hommes de radio, des hommes de micro, qui ont utilisé qui ça dans la société en veut faire en termes de projet, en façon pour éradiquer la question de analphabète ça. Hein? Et bien pour nous faire, vous voyez monter, faire politique et puis créer division pour ne pas jamais aller à l'antenne côté. Alors nous font camper sur le bagage. Alors font camper sur le bagage. Alors tout le monde entend nous dire que dans un pays, vous voyez qu'il y a plein de monde. Et bien l'important, si nous voulons pour paysager quelque part, mais il faut commencer par faire mon travail à l'école. Faire haïtien, prendre le chemin à l'école. Apprendre haïtien à mettre des sandales en pied. Apprendre haïtien à passer des odorants en babral pour ne pas sentir froid. Hein? Apprendre haïtien à bosser dans le lever le matin. Apprendre haïtien, il faut aller à un docteur. Hein? En mettant un système médical, côté que haïtien, quel que soit côté lié, les cas jeunes, soit de santé qui est disponible. En gros, l'État, côté que dans l'État, on va prendre responsabilité pour investir dans la santé, pour investir dans l'éducation, pour investir dans le système agricole. Côté que le cas arrivé aux jeunes des paysans qui gagnent des lopins de terre, si on fait des années de travail, il n'y a pas besoin d'aller à quel côté. Il a toujours été misérable. Il y a toujours vivre dans seuil et pauvreté. Hein? En gros, l'État va être investi dans le pays, dans un moyen, puis au produit, puis il y a plus de terre toujours. Et puis là, on fait tomate, il fait mango, il fait du riz, quelque chose que vous faites, on gère qu'à transformer. Il y a des brèches qu'il faut utiliser au niveau local, avec musiciens de monde qui gagne l'argent. Il faut transformer le produit et puis arriver à exporter, arriver à distribuer sur le marché, dans les supermarchés. De façon pour bailler les gens qui travaillent une certaine indépendance. Les gens peuvent arriver au moins à gagner une liberté financière. Investir quand même dans le cerveau. Jeunes citoyens haïtiens qui font que ce tir à l'université, dans le domaine technique, dans le domaine de la science, dans le domaine génie, dans le domaine agronomie. L'État investit dans ces jeunes-là.
créer des organismes côté Cuba. Hein. Ces gens-là sont capables de performer, capables de faire des inventions, de faire des créations, et pour permettre que la société avance, permettre que peut-être tu avances aussi. Encore l'État capable d'investir dans l'infrastructure, en bâtir de grands ponts, en bâtir de grandes routes, de grandes infrastructures. Hein? En entrer dans le système côté que nous retirer dans l'esprit haïtien. Mais cette question de l'on gagne 5 dollars, 20 dollars, on pense qu'on acheter, mais qu'on est en green block avec elle. Et puis avec green block, ça on dit, ou pas le bâti, on dit, il joue pas. Il joue pas dans ton ville, côté plein bel cas à gauche, droite. Parce que l'État n'a pas besoin. Donc on a essayé d'envisager l'autre système d'urbanisation, côté que nous vraiment respecté les principes, nous établi les principes, mais qui j'en monde construit, et qui compte au cas construit, mais qui compte au pas qu'à construit. Mais quel type de construction qu'on espérait? Il est arrivé que il y a des gens qui pas gain moyen pour construire, pas gain moyen pour créer habitation pour eux, ou pas qu'on l'état qui a créé des ajouts pas pour les gens qui retirent la montagne, mais tellement ajouts pas. L'état qui a créé de grands buildings, de grandes maisons d'habitation. Côté haïtien, ils habitaient en commun. Ah, même gens ça fait dans leur pays. Apprendre à ici à utiliser les toilettes hygiéniques. Apprendre à ici à pas utiliser même pour le suivi des ailes. En fait, l'engonce, quand on est là pour organiser des élections, eh ben, nous dit, nous fait des années pour organiser l'élection tête chat. Et nous fait des années de quitter nos populations, malheureusement, qui n'est pas formée suffisamment, qui n'est pas informée suffisamment, à cause de manquement de la presse, à cause de l'incompétence de la presse. Et bien pour choisir de vrais leaders qui a aidé ces pays à avancer, bail pays sans mon histoire, bail pays sans vrai coup de pouce dans le dos, pour les aider à aller quelque part, et bien on a commencé cette année, ou bien là, qu'a gagné l'élection présidentielle, qu'a gagné l'élection pour sénateur, qu'a gagné l'élection pour les maires, élection générale dans tout le pays. Hein. Et bien on a commencé pour nous dire que au niveau de la presse, il est important pour quel que soit le monde qui pose candidat, il faut que la société soit au courant de lui, il faut que le peuple soit au courant de Mounza, qui monte qui m'a mal, qui monte qui pas mal, qui côté le d'habiter, hein? Qui côté le de fête, qui type de monde qu'il est, quand même, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle n'est pas mariée, est-ce qu'elle ménage, combien de fils passés dans la ville, hein? À qui classe les rivets, qui me profession le gagne, hein? Qui ça l'apprend, et qui type de personnage qu'il est. Qui côté de travail, qui ça déjà le fait dans la ville, qui action le président dans la ville, est-ce qu'ils sont criminels? Est-ce qu'ils sont criminels? Donc passez Mounsa à la loupe et mettez-le face à d'autres candidats, mettez-le sur un podium, puisqu'il dit c'est politicien, oui, puisqu'il dit c'est leader, oui, il y a une capacité pour gouverner le monde, mettez-le face à face, puis vous présentez le programme qui vous gagne face à la société, hein, et n'a posé aux questions. Mais que le meilleur gagne. Et que c'est vraiment meilleur là qui gagnait. Et puis nous organiser des élections, le peuple là suffisamment informé pour le faire choix. Suffisamment informé pour le faire choix. Pas faire choix à partir de un monde que le connaît qui parle en pile dans la radio. Un monde que le connaît Bola Kaili qui en pile l'argent en drogue. Un monde que le connaît Bola Kaili qui plaisante. Un monde que le connaît Bola Kaili qui brigue en pile. Ou bien qui est très populaire. Mais qui n'a pas qu'un cœur. Qui n'a aucune motivation pour lui aider si elle l'a avancé. Qui n'a aucune motivation pour lui mettre tête ensemble à monde pour le travail, pour aller quelque part. Qui n'a aucune motivation pour lui appartenir en collectivité. Qui n'a aucune motivation pour lui travailler, pour l'argent qu'il gagne, l'investir dans le pays à côté de lui. L'investir dans le département quand elle soutient. Il n'a aucune motivation pour que si le monde petit à l'école, ben, j'ai une éducation de qualité. Et bien, grand monde, pas vrai qu'il finit vieillir, pas vrai au moins il finit un grand monde, qu'on côté décent que le habité. Hein? Au moins quand il a l'argent, plus ou moins chaque fois que le cas recevra, en façon pour lui vivre dignement, pour ici en mourir dignement. Hein? Donc nous avons besoin quand même qu'il y ait de monde qui est responsable, sans esprit de fanatisme, sans esprit de zamitaille. Et puis, bye. Feu vert, bah, carte vert, à quel que soit maintenant, pour quelle que soit raison. Et puis mettez dans la figure population, bah, voyez, des hommes qui n'ont aucune qualité, aucune qualification réelle, aucune compétence,
aucune motivation pour changer les choses, pour faire quelque chose. Donc, pour le cas, mettez fin avec la, mettez fin à la démagogie politique. Pour le mettez fin à un environnement qui est empoisonné par des crises politiques incessantes. Des hommes qui, au jour le jour, qui pouvaient boucher, les ont parlé, pas grand rien qu'on a tiré de leçon. Pas grand rien qu'on attendait, ils ont dit, ouais, qui est vraiment inspirant. Parce que c'est des hommes qui pas grand qu'une hauteur. Hein? C'est des hommes qui pas grand qu'une vision. Parce que je jeune malheureusement des pseudo-leaders, de faux citoyens, des patripoches, qui baillent des brèches, qui baillent des voies, de laisser y aller, pour pénétrer l'administration publique haïtienne, puis pénétrer le pouvoir public haïtien, une députée, un sénateur, un président. Sans qu'ils n'aient pas fait rien pour ça. Et au bout de la caillou, par exemple, engagé dans aucun projet. Aucun projet pour aider les concitoyens pareil. Ça qui pas connaît, ça qui plus faible. Ça qui est malade. Qui frappait d'incapacité. On est dans un endroit où il y a des travaux civiques qu'il fait. Au moins, on connaît son nom, qui connaît aider. Aider les collectivités qu'il a grandi. On est qui consacrait, mettait la main à la pâte. Et là, il vient arriver dans la place pour le diriger. Moi, mais on peut attendre quelque chose de lui. Et son monsieur qui formait. Son monsieur qui moral. Et moral dans le sens que ce n'est pas moi qui a volé bagay moun. Ce n'est pas moi qui a habitué à voler bagay moun. Ce n'est pas moi qui croit dans sa clé. Eh bien, pour arriver, pour gagner l'argent, il faut que c'est l'argent payé pour le voler, pour le prendre. Hein? Donc, ce n'est pas moi qui croit dans sa clé, travaille avec son frôle. Même s'il prend des années pour arriver à accumuler une certaine richesse. Bah, peut-être qu'ils ont un certain prestige, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de monde qui croit dans sacrer la richesse facile. Les jeunes d'Ogla, là, ils n'ont pas besoin qu'on ait statut, ils n'ont pas besoin qu'on ait fonction que la occuper. Et bien, au contraire, abuser de fonction, de statut que le gagnait. Et bien, pour le faire, tout ça n'est pas bon. Tout ça n'est pas bon, façon pour avilir la société. Hein. Et vous voyez, peut-être les montées. Donc, le premier job dans la ville, c'est sénateur. Donc, le premier job dans la ville, c'est député. Le premier job dans la ville, c'est maire. Il n'y a pas grand rien fait dans la ville qui concernait le travail à moun, chita à moun. Il n'y a pas grand rien de leadership là. Et voilà que vous mettez le député, vous mettez le sénateur, vous mettez le maire. Il tombe dans une boîte, les têtes en bas. Il faut dire que c'est député sénateur, policier seulement non, c'est important pour lui. Il le fait chaque jour, il prend la parole comme député sénateur. Il n'y a pas grand rien qu'il fait comme action. Il y a même qui entre dans le cadre d'attribution qu'il gagne. Vous comprenez ça? Parce qu'il n'est pas qualifié pour lui, il n'est pas compétent pour lui. Ça qui fait ça arriver, c'est une société. Hein. C'est une société qui ne pas prend tête au sérieux. C'est une société qui ne pas prend l'argent qu'il gagne au sérieux. Son société qui n'a pas le futur, le devenir, les générations futures, il n'a pas les valeurs. Son société qui n'a pas quoi dans le travail pour t'être, qui n'a pas quoi dans le travail pour demain. Son société qui quoi dans l'avemain sur la terre. Travail et puis l'autre monde gaspillé. Et même si devant le jeune, il a fait gabji, il a fait une déclaration oiseuse pour diviser la société hein, chaque jour, pour jouer dans l'esprit monde chaque jour. Puis n'est-ce pas bon côté là, il connaît effectivement qui dessin n'est-ce pas gagné. Qui raison, qui motivation, déclaration ça. Eh bien, quitte le faire. Parce que le bon pour lui, dans un moment, financièrement, ça aide. L'arrivée de ces journalistes, il a payé $300 américains, $400 américains, $2000 haïtiens, chaque mois. Naturellement, il y a des journalistes dans le temps. Longtemps, qui compte toucher moins scope que ça. Mais je connais que son profession que je choisis. Je choisis profession ça pour son sacerdoce, son service à la nation. Mais il est là pour aider, former, éduquer société. Et aider que société évolue démocratiquement. En façon petit, petite, 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 petite,
concitoyens, eh bien, quand on paye, écoutez, que les fait bon vivre. Ben, si on touchait $300 haïtiens le mois, $600, $700 haïtiens le mois, ben, c'est un choix qu'ils ont fait. Et si vous vivez qu'au niveau personnel, vous gagnez des problèmes, vous gagnez des difficultés, puis vous surmontez au jour le jour. Ça ne veut pas dire pour autant faut que vous vendez dans mieux. Vendez dans mieux. Vendez pays. Vendez conscience. Vendez dignité. À tout pays, à tout le monde qui le donne. Et vous êtes prêt pour utiliser mes microphones que vous gagnez pour faire ça. Parce que vous voulez propulser tête yo, dans un niveau côté que vous n'avez pas de moyens académique, il n'y a pas de moyens financiers pour le faire. Mais puisque son société côté que tout est permis, tout peut se faire, et pas de monde qui a besoin de rien, parce que personne n'est pas concerné de rien, et bien chaque nègre utilise les moyens qui sont plus faciles pour contre les intérêts nationaux, en façon pour le rêver. Un garçon simple journaliste qui a payé $2,000 américains, enfin $2,000 haïtiens par mois. Elle a contact avec des hommes politiques qui sont des cupides, qui sont des corrompus. Et puis, il connaît des glaçons corrompus, il connaît des glaçons criminels en tant que journaliste. Il gagne des informations que politiciens, ça, hommes d'État, ça, ministres, ça, il y a des actions qu'elle posait, eh bien, qui allaient à l'encontre des intérêts communs, qui allaient à l'encontre de l'esprit de souveraineté nationale. Mais les tout le monde entend les ministres là, les politiciens ça, pour le faire un boucher. Il n'y a rien de mal à dire de ça. Au contraire, ils cherchent un côté, ils font autour, ils mettent elle. Ils mettent l'information. Et quel que soit le monde qui a osé parler de ça, ben, le prêt pour le premier coup, pour le dire, ben, au grand problème personnel. Il est là pour défendre les politiciens ça, du bec et des ongles. Et Haïtien tellement fort. Dans ça que les détourner l'esprit moun, pour dire assouvir intérêt personnel. Yon. Mais ou à quoi son pasteur qui a parlé? Ou à quoi son prêtre qui a parlé? Ben, pas qu'à dire prêtre. Ah oui, pas qu'à dire prêtre. Si on a parlé dans le contexte haïtien, c'est pas que pas un bon prêtre en Haïti. Mais on fait expérience prêtre. Yon. Au niveau public, et bien chaque nègre qui présente tête, qui a un prêtre qui est attaché à nous. Mais il vient révéler que Nex a franchement les barreaux dégoût. Pas bon envie respirer. Il faut railler le nom haïtien. C'est des démagogues. Il y a ce monsieur-là, comment il s'appelle, Péyanik, hein, Péyanik Joseph. Ce monsieur est allé. Ce monsieur est devenu. Sénateur, et naturellement dans un pays comme Haïti, quand vous habitez la province, à un côté, je n'ai pas le monde qui parle l'école. Même je n'ai pas le monde qui parle l'école dans tout le pays. Hein? Ou je n'ai pas le monde qui parle l'école. Ou je n'ai pas le monde dans une zone rurale qui parle l'école. Et l'école, c'est prêt ou douillet, ou c'est paix. Et au débat à la campagne, ou établir contact avec les paysans et parce que c'est candidat, eh bien, en bon $5, en 10 piastres, pour la gagne à mon paysan, en bouteille, pour l'acheter en bouteille éclairée, pour l'acheter en morceau manger parce que il n'y a pas de terre pour le travail, il n'y a pas de l'eau, toute terre séchée. Un paysan séché, t'as acheté en côté pour l'attendre, petite liste, il y a une famille. On veut un petit cop balé, sorti de l'étranger. Et le cop étranger n'a pas venu, de l'étranger n'a pas venu, eh bien, il livré à lui-même, livré à une réalité qui est très cuisante, au jour le jour. Donc voilà qu'il n'y a pas qu'un concept, pas qu'un notion de ce que les politiques, pas qu'un notion de ce que les l'État, la gestion de la République, il n'y a pas qu'un notion de ce que les citoyens, le devoir citoyen, il n'y a pas qu'un notion de ce que les politiciens, il n'y a pas qu'un notion de ce que les élections, comment choisir un candidat et pour qui ça. Pour qu'ils raison choisir un candidat, pour qu'ils ont jeté des volures sur un candidat pour dire c'est mon assemblée. Donc, concept ça, il n'y a pas entré, enfin, ces considérations-là, il n'y a pas entré en ligne de compte.
Donc, nous avons présenté là devant un groupe de paysans, un groupe de monde. Pas bien majoritairement dans le monde captain, il n'y a pas aucune notion du tout de ce qui a passé devant moi. Mais il seulement connaît qu'il y a des besoins. Et puisque le monde qui capait devant moi, entre guillemets, plus intelligent parce que, les gens de la campagne sont les paysans qui majoritairement, pas qu'on lit, sont très intelligents. Très intelligents. Très, très intelligents. Parce que le monde, il y a une pile moralité. Maman, papa, il y a levé au Dieu. Levé chaque matin pour le travail. C'est avec soin en front. Quelque chose, ça il fait, il produit. C'est avec force, il fait. Donc, il est habitué dans ça que les dignités vivent bien. Vivent à ça qu'on gagne. Dans mes jus qu'on est capable. Donc, c'est avec toute honnêteté, toute sensibilité, on est au campé devant un politicien. Ah ben, qui dit que ce politicien, ou bien le soutien en ville, ils sont avec éclairé, ils sont avec l'esprit. Et qu'il peut participer à l'élection pour sénateur député. Et qu'il y a un programme pour le banon, pour le bailleur de l'eau, pour Tébrouze et Janeiro, pour faire le travail. Eh bien, le paysan, ben franchement, sincèrement, il est prêt pour libérer votre ça à monde qui devant là. Parce que le paysan, quand j'en parlais, les grandes prétentions que le monde s'assemblé sur un monde honnête. Le monde s'assemblé sur un monde qui a dit vérité. Parce qu'en général, le paysan est très honnête. En général, le paysan n'a pas de faux semblants à caillot. En général, paysan, c'est du monde qui parlait à cœur ouvert. C'est du monde qui a nu. Qui a nu dans la personnalité. Au capable de lire, ça a ressenti. Le paysan n'a pas caché ça que rien. Donc, vous avez dit vieux, type de vieux, ça a. Qui a une chance de passer dans la ville, qui a une chance de passer à la campagne, des fois à voyager. Et qui connaît tout mauvais coup qui gagne sur le terrain. Il vient en contact avec ces groupes de gens, malheureusement. Et puis, ils ont besoin de solliciter leur mandat, leur bulletin de vote, qui se pique au pouvoir qu'un citoyen qui a possédé dans la main. Ah oui. Pouvoir de changement qu'un citoyen. C'est pique aux L4 qui existait dans le monde-là pour sacrer les changements en société. En société qui a souffri. En société qui gagne conflit. En société qui gagne division, en société côté qui pas gagne la justice, en société qui gagne corruption, en société qui gagne démagogue, en société qui gagne de monde, bah vrai, il dit une parole dans mon bouche, et puis dans l'autre mot sur bouche, il dit une autre parole. Avec un seul bulletin de vote. Quand le détenteur de bulletin de vote, ça, conscient, informé, de force, qui attaché à bulletin ça, mais c'est sûr qu'il y a pile bagaille que le café. Il n'y a pas pleuvé mêle facilement pour le fourrer dans la boîte et en urne, pour le déposer pour n'importe qui, l'informer. Donc, et c'est pour cette raison, dans les pays, là où vous trouvez de vrais citoyens, de vrais hommes, hein, qui gagnaient cette dignité, cette vertu citoyenne, qui est attaché à chaque individu qui a vécu son morceau de terre, eh ben, ils ont organisé un système de choix, un système de sélection des candidats. Hein? En façon pour effectuer une sorte de purage, prigé. Type de monde qui dit qu'il y a une aspiration politique, il y a une aspiration leader, il y a besoin d'un président, il y a besoin d'un sénateur, il y a besoin d'un maire, il y a besoin d'un professeur. Donc c'est pour que je ne vous dis que vous voulez faire, ou dit qu'au café, il faut qu'on prouve. Donc il y a toute une série, n'est-ce pas, de mécanismes que la société s'est établie, eh bien, à travers lesquels, pour passer comme individu, eh bien, pour prouver ce qu'on dit, qu'au café, pour prouver avec dynamisme, avec votre passé, que nous qu'à compter sous, nous qu'à baou, nous qu'à faire don de bulletin de vote ça. Naturellement, le qu'arrivé, puisque les humains sont des êtres parfaits, et qu'arrivé de bonne foi, on s'imagine que tel individu qui se présente devant nous, eh bien, c'est un individu qui vient de bons plans, de bons projets, un bon programme, un programme qui est adapté à type de besoin que nous gagnons au niveau la campagne,
au niveau des villes, au niveau de la capitale, dans ce que les infrastructures, environnement, etc. Et puis, bon, malgré recherche, enquête et questions que nous posons, mettez face à face, nous nous fait sous individu, ça y est, nous arrivons, bah, bulletin voilà, et puis nous trompons. Nous mettons les messieurs à l'œuvre, nous au pied du mur, côté que lié effectivement dans la fonction, pour nous montrer ce que le café, promesse que le fait, bah, on réalisait que, bah, non, c'était un monsieur qui était en pile A. En pile A. Mais le savoir-faire, il n'est pas gagné. Donc, il est arrivé, il est échoué. Hein? Gagné qui échoué de bonne foi. Gagné qui échoué de mauvaise foi. Donc, ça peut arriver. Mais toujours est-il, quand le citoyen est conscient de la dimension, de son bulletin de vote, et que l'a déposé bulletin ça, ah ben pour moi, l'a déposé pour le lien, il faut qu'il vraiment évalue, il faut qu'il vraiment mesure. Et bien, ou gain moins de chance pour échouer. Ou gain moins de chance pour ne pas réussir comme société. Donc, nous avons une société comme ça, qui gagne des hommes, dans quel que soit niveau qu'on considère, là, c'est de moi qui connais que je fais partie de la nation. Et la nation, ça, c'est plus que rien. Même gens, les gens la caillou, ils ont une maison que ont construit. Et ils ne peuvent quitter n'importe quel monde, venir faire ça voler dans Kaysa, avec Kaysa. Et ils ont une machine, ils ont acheté, ils ne peuvent pas quitter n'importe quel monde, vandaliser. Hein? Donc là, ils font un investissement privé, un investissement personnel. Et bien, ils sont prêts du bec et des ongles pour défendre l'investissement ça, à corps et âme. Pour défendre l'investissement ça, parce que c'est un bagage privé, un bagage personnel. Eh bien, l'irrigue avec un investissement qui est fait pour la collectivité, eh bien, que les citoyens savent comprendre aussi, que même dimension, même engouement que le prêt pour exhiber pour ça que le fait au niveau privé, eh bien, en tant que citoyen, l'obligé de manifester même engouement ça, même sens de responsabilité ça. Oui. Et parce que sans l'existence, sans la survie de la collectivité, eh bien, il ne peut pas y avoir d'existence ou de survie pour la personne, hein, pour vous, en tant que personne, en tant qu'individualité. Ah, ah oui. Ah. Si société n'a pas marché bien, quel que soit Jean-Claude, tu as imaginé contour de votre vie privée, de votre vie personnelle, eh bien, la privée que mauvaise marche sociétaire n'a pas fait tort. Et c'est là qu'on l'a que au gain belle machine, c'est vrai. Dans la carrière plein manger, c'est vrai. Au gain plusieurs mondes capsules, c'est vrai. Au gain pile privilège dans la société, c'est vrai. Mais environnement l'a tellement empoisonné, environnement l'a tellement affecté, environnement l'a tellement laissé aller. Et bien, ils vont l'a qu'on est là. Au gain château, on vient emprisonner là-dedans, on n'a pas qu'à sortir. Ah oui. On n'a pas qu'à mettre des pieds devant Marie là. Parce que l'homme mettait pieds devant Marie, il y a pile monde qui a affamé. Et gampé le monde qui est en chimère dehors. Hein? Et gampé le monde dehors qui n'a pas qu'un principe respecté. Hein? Donc, on vient tenir près de 2 millions. On vient tenir un adversaire. Hein? Alors, pour qui ça? Mais parce que on était seulement, on était tout seulement. Il était bon, le soin pour décider pour eux. Prendre de bonnes décisions de façon pour aider que bagaille au marché pour nous tous. Et là, le marché pour nous toutes têtes, eh bien, nous tous gagnons. Et là, le marché pour un petit groupe seulement. Et toute majorité, elle va marcher pour eux. Eh bien, à la longue, on vient arriver dans le niveau où pas qu'à fonctionner. Ou pas qu'à fonctionner. Actuellement, on a pile visibilité. Mon noir, ça qu'on gagne. Mais qu'on respect. Hein? Qu'on respect qu'on pas gagne vrai. Qu'on admiration naturelle qu'on pas besoin de la personne. Et ça crée les couchers pour dormir. Le soir, à tête reposée, côté où pas faire cauchemar. Côté c'est les étoiles pour les petits oiseaux qui ont volé. Hein? Côté c'est l'ange qui a pris à voir dans le sommeil. Hein? C'est des éclats de rire. Vous obtenez. Ou pas faire type de réserve. Des fois, c'est cauchemar en fait. Comme on a couru dehors, comme on a battu. Mais parce que vous avez tellement posé de mauvaises actions, de mauvais actes dans votre vie. Hein? Et le plus souvent, on gagne responsabilité de toute une série de milliers de monde. Côté qu'on travaille pour améliorer les conditions de vie.
ou une société avec qui dépend de nous, côté Cap-Vini, mettez des piliers, mettez des infrastructures, mettez un système côté que, hein, du plus petit au plus grand, chaque monde a le même droit, le même privilège. En façon pour bailler société ça, en certaine visibilité au niveau de l'extérieur. Non? Parce que nous, au niveau de l'épiderme, nous avons la même couleur. Et quand arrive, nous avons une petite différenciation épidermique. Mais toujours est-il, comme groupement, comme peuple, eh bien, nous avons une seule identification. Ils ont nommé nous, même gens, nous sommes chiens. Donc, dès que vous quittez ou traversez la frontière, on vous demande hein, d'où venez-vous? D'où venez-vous? Eh bien, vous venez d'Haïti. Hein, vous êtes haïtien. Eh bien, quelques milliers de dollars qu'on a gagné, hein, dimension, diplôme qu'on a à l'école, eh bien, cette étiquette haïtienne qu'attachée à votre nom, cette identité qu'on a gagné, bon, on pas qu'à défendre de l'île. Et ça vient avec toute négativité que le comportait. Hein? Hein? Toute négativité que le comportait. Toute souillure que le comportait. Mais le travail, en tête ensemble, le travail pour conjuguer un projet commun, pour que les arrivés, au cours du chemin, nous échouent, nous fassent des faux pas. Mais ensemble, les étrangers capables, nous-mêmes aussi capables, qui nous essayons, et nous essayons de bonne foi. Et de continuer à essayer toujours de bonne foi. Mais parce que nous avons orgueil, parce que nous avons dignité, parce que nous avons une identité, parce que nous comprenons l'histoire, parce que nous comprenons qui nous gagnons, parce que nous comprenons pour qui ça nous sommes sur ce coin de terre ça. Et parce que nous croyons aussi pour nous que nous avons héritage ça que nous avons. Et bien nous prêts pour nos batailles. Pour nous prêts pour nos batailles. Pour nous sauvegarder un morceau de terre ça. Avec tout ça que nous comportons. Tout individu qui se lit, pour assurer l'éducation toute nette, même gens, pour nous retirer une série d'inégalités futiles qui existaient entre nous, pour comme si. Pour ne pas quitter Néglala, il dit, Néglala, il balie des fonctions qui élevaient statut dans la société. Hein. Et dans la ville, personne ne connaît, il est un personnage anonyme. Quand on passe sur Katila Kaili, même bonjour, il va jamais dire. Mais elle dit, bon, je ne vais pas même répondre. Mais puisque le monde qui croit dans le sacré de l'école, et bien, il est instruit. Il est instruit. Mais quand il arrive au niveau éducation, maman, le papa, qu'on travaille pour faire la caille, mais maman, le papa, tu fais la caille. Mais quand les gens qui sont liés dans la personnalité, dans le tempérament, dans la mentalité, intrinsèquement parlant, et bien, qui fait que son mauvais monde. Hein? Ils sont charlatans, ils sont maîtres d'âme. Ils comptent qui j'ai pour jouer dans l'esprit, qui j'ai pour utiliser le monde, pour le river côté de l'arrivée, pour l'atteindre fin. Donc là-bas, quelque soit belle parole gain, et comptent qui j'ai pour le présenter, ça le présenter. Mais il n'y a pas rien de, il pas rien de noble qui attaché à type de plan que le présenter. Il voulait seulement atteindre fin. Il voulait seulement atteindre objectif. Et qui sont objectifs personnels. Objectif qui visait bien-être anti-groupe. Hein? Et l'utiliser, qu'on est en majorité de monde, pour propulser cette dimension de privilège. Hein? Voilà qu'on est sous quartier la Kaeli, c'était une telle idée, pas de gang qui n'a rien qu'à Tachanol, pas de gang rien derrière non. Et qu'on est c'est monsieur le président, excellence, monsieur l'honorable, enfin, m'a dit honorable, parce que vous ne pouvez pas être honorable. Enfin, vous êtes honorable quand vous avez posé des actes dignes d'honneur, dignes d'être honorés. Donc, c'est sûr que la fonction que vous exercez peut avoir une dimension honorable, là, c'est sûr. La fonction a une dimension honorable. Mais vous, en tant que personne, avec qui exercez cette profession, ben, ce titre d'honorable, en vrai, il n'est pas venu pour automatiquement. Il faut travailler pour lui. Ah oui, il faut travailler pour lui. Hein, vous devez prouver à la société que vous êtes un honorable sénateur. Parce que vous ne pouvez pas venir. Hein, et puis, mettons là, sur le podium, non? Et chaque jour, venir, toute sa capsule dans le bouchou. Ces paroles pour quimber société ça divisée. Maintenir pour société ça dans la privation. Maintenir pour société ça dans la justice. Hein? Maintenir société ça, pas vrai, dans la misère, dans la crasse, dans la boue,
Et l'on fait le constat, on connaît que si le constat ou avancé économiquement, qu'on soit avancé financièrement, comme personne. Je ne vais pas vous appeler. Enfin, vous n'êtes pas un honorable sénateur. Ah, vous n'êtes pas un honorable sénateur. Si la fonction, si les attributions de qui attachaient, les attributions qui attachaient à votre fonction comme sénateur, député, président, eh ben c'est fait loi. Eh ben c'est fait que paysan, il marchait bien, il fonctionnait bien, institution fonctionnait bien, et que effectivement comme sénateur, eh ben on connaît job ou prime primordialement. Ah ben c'est fait loi. Et l'un dit loi, c'est garder dans la société qu'on appartenu à lui-même, non? Garder dans la collectivité qu'on soutient. Quel type de problème qui gagne? Ah oui, quel type de problème qui gagne? Et dans le système juridique qui existait déjà, dans le type de loi qui votait déjà, quel type de injustice qui gagnait dans la loi ça? Et qui causait quand même des dommages à la société, qui cause que la société n'a pas qu'à fonctionner de manière harmonieuse. Et qui ça que tu as supposé faire? D'après vous-même, hein, d'après vous-même, qui vient avec un programme, avec de grandes idées, qui gagne de grandes idéologies quand même, que vous n'avez pas de bravo pour vous, eh bien, au cas de dire, ah, ben, on façon qu'on a changé. Là, on n'a pas qu'à dormir, 3 heures du matin, on peut crier, on peut penser, on peut imaginer, comme un grand homme, comme un grand leader. Hein, même Thomas Jefferson, hein, qui a pensé pour la déclaration de l'indépendance américaine. Hein? George Washington, qui a pensé qui j'en pouvais pour dessiner, qui j'en à qui type de monde, qui type d'architecture, d'architecte qu'il a besoin, qui type d'architecture qu'il a besoin pour créer ville ça, qui est le Washington d'ici. Hein? Ah oui. Ou pas qu'à demi, l'organe monde sous compte. Mais là, on connaît type de bagaille ça. L'organe substance ça, ou la carte comme individu. Eh bien, c'est sûr que vous êtes attaché à votre nom, honorable sénateur, honorable député. Parce que l'on vient de camper sur le podium, ça ne va pas parler. Eh bien, mon qui vote, mon captain de cap garde, il connaît pertinemment quand vous ne parlez pas pour vous. Vous ne parlez pas pour votre clan. Vous ne parlez pas pour votre petit groupe. Vous ne parlez pas pour vos intérêts. Vous parlez pour mon qui met là. Vous parlez pour mon qui met là. Parce que mon qui met là, on est conscient que c'est le monde qui a un problème. Hein? Parce qu'on est conscient que raison fort là, hein? C'est confiance. Confiance de tout ton électorat qui gagne des difficultés au niveau quotidien. Société, ça qui gagne des défis pour le relais. Et qu'on dit son leader, on a une capacité à qualifier pour ça. Et on prouve effectivement à partir de l'action qu'on a posée. Et on prêt pour défendre du bec et des ongles, quel que soit le monde qui mettait en travers, qui mettait ce chemin. Type de progrès que je supposais faire pour collectivité, ça avancer. Ça, c'est un homme. Ça, c'est une honorable personne. Ça, c'est un honorable sénateur. Mais si vous levez chaque jour dans le vieux, pas vrai, il y a un peuple ça qui n'a pas qu'à manger, qui n'a pas qu'à prendre soin. Les beaux frères, les faire le sénateur, les faire le président, les faire le député, les faire le directeur général, les faire le ministre, les faire le commandant, les faire le officier. Et chaque mois, l'accepter comme que le bagage, non? Puisque l'État, en vrai, c'est une totalité, puisque nation, son totalité que lié, son symbole que lié, donc à partir de taxes que nous collectons, eh bien, il y a toute une série de dépenses qu'il a fait au nom de la nation. Hein? Au nom de la nation. Et taxes, ça y est, quand pile là-dedans qui est venu, dans forme de privilège, que bah, chaque mois, il y a plus en chèque. Hein? En chèque. Kounia, on t'habite dans le cas qui dégaine, bakone, qui dégaine, qui pas campé soin. Kounia, c'est dans château habité. Il y a une grosse barrière. Et pas barrière, même gérant la quoi besoin, rédit bien fort pour l'ouvrir. T'as même pas que un bouton, et puis barrière, les slides, il y a les sous-côtés, pour contre lui. Hein? De manière automatique. Hein? L'entrée dans la caillou, on ne peut pas cracher. Hein? En cas la caillou, longtemps, on ne peut pas porter le visage, c'est dans de l'eau, dans le canari, pour dégager. Mais qu'on y a tout côté passé dans la chambre, au miroir à gauche, miroir à droite. Hein? Hein? Bah, qui les flat screen TV, bah, c'est un cauchemar seulement pour t'avoir fait ça. Qu'on y a, bah, franchement, par contre, qui ça pour acheter encore? Tellement de privilèges. Tout le monde besoin qu'on ait, tout le monde besoin par l'envers. À cause de privilèges, que le peuple s'abat. Il mettait 4 téléphones pour parler, jongler, et sous nos lits.
pour faire travail. Li. Là, vous choisissez seulement utiliser, jouir de privilèges. Hein? L'argent chaque mois, chèque là chaque mois. Hein? Frais qu'on gagne chaque mois pour staff, plus de 20 000 dollars américains. Chaque mois pour staff. Ou pas qu'un staff vrai. Pour ce que vous avez besoin de conseiller, ou pas qu'un conseiller vrai, parce que vous avez besoin de conseiller. Parce que vous n'avez pas qu'un travail, ou, non seulement vous besoin de faire, qu'on a fait, ou juste besoin de faire encore. Et meilleure façon pour faire comme là, c'est pour la politique. Hein? Et surtout, là, le pays de politique, quand on a fait comme facile, en Haïti, mais son côté, côté que Mounio, il n'y a pas inquiété de rien qui passe, de rien qui est grave. Tout le monde qui a volé, les gens, il est audio. Et chaque monde qui veut y aller, puis voler. Donc, quel que soit petit individu qu'on considère, depuis le tout petit, bel qu'on est l'État, ce côté où aller, pour le faire comme, pour le voler. Parce que nous n'avons qu'un exemple, depuis le tout petit, pour former, pour dire, mais qui j'en ai, l'on citoyen. Mais qui j'en pour comporter vis-à-vis de pays ou vis-à-vis de citoyens pareils. En façon pour pays ou avancer. En façon pour nous toutes être des prestiges comme peuple. Il n'y a pas formé comme ça. Il n'y a pas formé comme ça. Il y a formé dans le sens que, je suis bon passeur, je suis petit intel. Là, on prend qui m'en met, tu que mien. Prendre côté, me sorti. En faux sens, en pseudo-sens de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Les gars sorti dans telle zone, ben zone ça, il pensait que le supérieur par rapport à nek qui sorti dans la zone de l'autre côté. Les gars parlent aux gens, ils pensaient que nek qui parle de l'autre gens est inférieur de lui. Les gars habitent pour le prince, les gars accent. Et puis, l'autre citoyen pareil qui sorti au cap, qui sorti par de paix, qui ont l'autre accent, parce que c'est deux zones différentes. Il y a chaque environnement différent. Donc, à environnement qu'on habite avec là, on gagne des habitudes. Hein? Gagne des habitudes au niveau linguistique, au niveau de langage, hein? Au niveau de culture nous-mêmes, que nous développons. Ça, c'est un bagage qui est propre à tout être humain, quel que soit côté au passé dans le monde là. Les poser. Même pas faire une plus que l'autre. Hein? Ceci est tellement vrai que nous n'avons pas qu'à plus que l'autre, d'autant plus que nous habitons le même côté. C'est les mêmes terres. Nous sommes produits même terre là. C'est même de l'eau à nous brûler. Même air là nous respirer. Maman, papa, nous avons l'autre nom. Maman, papa, nous avons un type de morphologie, un type de vie, en forme de visage. Mais toujours vous êtes-il. Hein? Toujours vous êtes-il. Historiquement, nous avons le même sang. Hein? C'est même dans le même pied bois qui a couché de nous. Et quand on est là, sorti Port-au-Prince, il sorti Sema, qui est le grand complexe que le nourrit par rapport au nègre qui sont au cap, qui parlait différemment de lui. Il dit c'est Negmon. Et là, il dit Negmon, ça va lui en sensation de supériorité. Ça va lui, pour lui, il a une sorte de signification de bien-être par rapport à l'autre haïtien que l'on a baissé. Donc, il passe une bonne journée. Et parce que je vous dis, au moins, le grand prétexte pour oublier problème personnel, pour oublier tête, pour oublier incapacité, pour oublier barrière que le gars a carré, hein, limite, et puis il profitait pour le mettre en l'autre à terre. Ça sent pas tant que les polis. Donc là, t'as demain la pensée à problème, problème pas lieu. Mais pour qu'on ait en mettant l'autre vis-à-vis moi, l'autre concitoyen à terre, t'as me parlé mal, monsieur Malpito. Ils vont côté là, et puis t'as dit à parler de Charles Jones. Ben, il n'y a pas contre Charles Jones, ni en blanc, ni en noir, ni en peintre, ni en peinture. Et puisque c'est Abdi de Charles Jones, c'est bagaille, paraît-il, qui est positif. Mais plutôt c'est de l'épito, il y a Abdi bagaille positif, ça, mon cher. C'est ça qui est Charles Jones là. Charles Jones ceci, Charles Jones cela. Et toutes ces négativités d'être, on va le bouquin. Ben, ça permet que vous mettez radar au soli. Lumière qu'on y a, vous focalisez le soli, plutôt. Hein? Parce que si vous êtes venu avec mon déconseil, on parlait de John Bob. On va bailler John Bob valeur. Pendant ce temps-là, le gars des têtes, il n'a pas gagné de valeur. Hein? Maman n'a pas levé le papa, n'a pas levé le sens pour la prendre bailler tête, les valeurs. Et si l'on baille tout valeur, on va bailler l'autre monde valeur. Et là, on comprend côté où on baille l'autre monde valeur, ça va déranger. Parce qu'on connaît une valeur déjà. Hein? Donc ça dérange totalement. Là, le gars, il a voyé mettre Pierre et Loire monter. Et bien, le gars, qu'on est depuis ces étiquettes négatives, favorables pour le mettre sous le domaine Pierre-Éloi. Pour le fond qu'on est, mais je ne suis pas bon. Ah, mon chou, pas qu'un avocat, ça. Ah, non. Si c'est un avocat, ça, on est tout perdu d'avance. Hein? Perdu d'avance. Et là-bas, tout type de prétexte qui existait. Ah.
Vous comprenez ça? Il parle de l'autre monde, ça a avancé, l'autre monde, ça a réussi, fait progrès. On a fait trop progrès. C'est lui qui peut faire progrès, ça. Mais quel autre type de monde? Eh bien, qui comprend que autant que des monde qui est positif, bon côté, autant que des monde qui a fait progrès, bon côté, autant que des monde qui connaît, bon côté, il y a plus de chance pour faire progrès tout. Il y a plus de chance pour le connaître tout. Ah, ça ne va pas déranger du tout, au contraire. Les grands groupes pour le monde qui connaît. Et les grands groupes pour le monde qui a dit bon, pas mal, bon côté. Et les grands groupes pour le monde qui n'a pas prêché de division, bon côté. Mais il y a des gens qui ont fait négativité, même, qui ont fait division, même, qui ont détourné l'esprit, même. Il y a des gens qui ont dit Charles Jones, c'est payé au pays. Il a payé pour le parler pour le gouvernement. Vous voyez ça? Eh bien, le monsieur ne s'est jamais donné la peine pendant l'enfance, pendant la jeunesse, mais pendant l'école. Pendant l'école pour le former, pour l'instituer. En façon pour l'essayer de comprendre tête, pour le comprendre environnement appartenir à lui-même, non? Pour le comprendre pays, ça là-dedans, non? Pour le comprendre ça, l'État, pour le comprendre politique, pour le comprendre tête comme citoyen. Et pour lui comprendre aussi droit, devoir, on l'autre citoyen gagne. Hein? Pour le comprendre système que l'appartenait à lui-même, non? Mais qui doit que le bail chaque citoyen? Eh bien, qui ça au caddie? Et là, tel citoyen parle dans le sens X ou Y. Il n'est pas automatique, on l'a dit, parce que maintenant, c'est. Ah, les sont laissés en démagogue. Ils sont au monde qu'ils baillent l'argent automatiquement. Plutôt chercher qu'on est, plutôt. Est-ce que le fait qu'on ait à défendre la vérité, hein, à défendre la vérité, il est nécessairement obligé partisan X ou bien Y? Et bien, le cas trouvé que la vérité la baillot. Et puis, vérité la baillot, puisque John Bob, un type de comportement que le gagnait, qui sont comportements honnêtes, et Charles Jones, par hasard, hein, circonstanciellement parler de comportement John Bobio, qui c'est des comportements justes, et que le cas arrivé à partir des considérations de Charles Jones, ben au cas où est que ben, Charles Jones pas dire rien là pour les critiquer négativement John Bob. Bon, on t'a pas tant que Charles Jones, c'est John Bob chaque jour pour la critiquer, parce que ça fait plaisir. Lorsque je suis ton côté, on ne sait mal à parler de mal. Hein? Et il n'y a pas les mots de mal que je ne pas connais. Mais là, pas les mal, on ne pas connaît. Action que je pose, on ne pas connaît vrai. Donc, seulement tant des démons qui gagnent des problèmes personnels, pas vrai, a dit des choses qui font plaisir. Parce qu'on levait le type de négativité. C'est parce qu'on a hauteur qu'on n'a pas gagné, qu'on a grandeur morale qu'on n'a pas gagné la chaos. Donc, au plus à l'aise, côté qui gagne division, au plus à l'aise, pas vrai, côté qui gagne conflit. Côté qui gagne conflit, pas besoin de dire au même. Si nex a parlé mal, t'es qu'on fait, il faut pas. Hein? Nex a parlé mal, il y a deux bagailles qu'il qu'on fait dans la ville qui pas tellement correct. Pas correct au niveau légal, mais correct en tant que personne, en tant qu'individu, qui sont imparfaits, qui a fait des faux pas, même à tout le monde. Sauf sur, au bon Dieu. Il y a un monde qui dit, même bon Dieu qu'on fait des faux pas. Hein? Donc, il faut qu'on ait une dimension pour comprendre certaines choses. Et dit, seule façon pour avancer, il faut nous faire le choc des idées. Il faut apprendre à mettre les points sur les i. C'est bon, on l'écrivait obligé de mettre certaines personnalités au pied du mur. Laisser des personnalités qui ont utilisé la voie publique, qui ont utilisé les privilèges qu'ils ont gagnés pour propulser Tétio. Mais obligé de mettre bravo. Là où il y a des individus, au-delà des dangers, hein, qui prêtent pour consentir sacrifice, au moins, pour y élever, voyons, pour la voir pour là. Personne ne m'attendait. Vous parlez dans le désert. Et il y a un monde qui prend lui-même pour le vociférer, vos cris. Alors, quand même, pas qu'on est que, au grand pile, problème à confronter au jour le jour. Et qu'il y en a, vous pensez, ben vrai, qui ne peut pas parler pour vous, et puis au contre lui. Et là, où élever l'esprit, où élever dimension dialogue, analyser là, et bien on réalise que monsieur c'est pour la parler. Monsieur, c'est un citoyen qui vous défend. Parce que vous êtes tellement aveuglé malheureusement par le type de monde qui est dans l'environnement. Yo. Parce que son environnement qui est empoisonné. Son environnement de corrompu. Son environnement de criminel. Son environnement, n'est-ce pas, de nez qui est fort dans le sacré les jeux, dans tout le monde pour vous être monté. Et utiliser toutes sortes de tactiques. Hein? Puis au fort, ouais,
la lune en plein jour. Eh bien, c'est difficile, mon cher. Là, il y a des gens qui sont sérieux, qui ont dit la vérité, qui ont parlé des bagailles, qui sont bon pour petit tout demain. Eh bien, c'est difficile, pourquoi? Ah oui, c'est difficile pour, mettons, camper à côté, mon cher. Vous dites, mon cher, je vous accompagne dans votre combat. Parce que c'est mon combat à moi aussi. Hein? C'est mon combat à moi aussi. Donc, il y a une certaine positivité là, qui est importante pour nous quitter, entrer, pénétrer l'esprit, non? Si on ne peut pas prêter dans la question de. Hein, la question de haine implacable contre Haïtiens pareil, non? Naturellement, ce citoyen, j'ai un pile citoyen qui n'est pas bon. Parce que sous temps des Salines, sous temps Pétion, il y a des citoyens, après des Salines, il y a des fusillés. Toussaint Louverture, il avait fusillé son propre neveu. Hein? Pas neveu de sang, mais neveu petit adoptif de sa sœur. Hein? C'est bon niveau en tant que leader qu'on atteint. Hein? Parce que les intérêts de la collectivité sont tellement importants. Ils sont tellement fondamentaux. Eh bien, intérêt maman ou papa n'est pas important encore. Parce que la seule façon pour défendre l'intérêt maman ou papa, bien, eh bien, c'est là qu'on défend l'intérêt de toute collectivité. Hein? Ah oui. Mais il y a qui croient dans ça que les défendent l'intérêt proche pour intérêt madame, petit aux amis, c'est tout. Et à la longue, on vient gagner en collectivité bah ouais, qui est tellement perdu, et si ça vient de des conséquences, des répercussions, ou même à tous les hommes. Ça que tu as dit jeudi, là, mesdames, messieurs, jeudi, hein, je veux dire 2 mars 2013, enfin hier, vendredi, que Jean-Claude Duvalier, l'ancien président dictateur de la République d'Haïti, ah, le tout puissant, hein, le tout puissant, l'homme le plus puissant de la République d'Haïti, et pour ne pas dire l'homme le plus puissant dans la Caraïbe, il fut un temps. Ah bon? T'as retrouvé le jeudi, hein, au sein d'un tribunal, hier, au sein d'un tribunal haïtien, et capitaine des juges haïtiens, cap questionnel, cap poser la question, et surtout des fois des questions qui dépassaient les bornes. Dans le contexte, Jean-Claude Duvalier, président dictateur, chef des chefs. Hein? Qui est-ce qu'il a dit jeudi là? C'est vrai? Que président Aristide, enfin, t'as retrouvé le tabac. Et même temps, on ne peut pas attendre de parler dans la société, naturellement. Il y a certains hommes politiques, des hommes d'État dans le pays que nous sommes. L'OE ne peut pas parler, pas qu'on ne peut pas parler, vrai, non? Il choisit pas parler, bon, enfin, par stratégie. Et ils choisi de monde dans la société pour parler pour eux. Hein? Mais dépendamment de type de vie que j'ai, dépendamment de type de amour que j'ai, attachement que j'ai à la société, hein? De ça qu'ils veulent pour la société, ça, et bien après, il y a des monde qui peuvent parler pour eux, qui peuvent dire de bonnes choses. Bon, ça m'a parlé d'Haïti. Alors, on ne va pas parler pour Haïti. Mais pour le contexte haïtien, en pile les hommes d'État ne peuvent pas parler. On va plus en pile les gens qui peuvent parler pour eux. Et n'est-ce pas parler pour eux, c'est n'est-ce pas fait des. Qu'a créé des diversions au jour le jour pour empêcher la société d'aller en quel côté. Parce que autant que la société s'allier était cloîtrée, elle était coincée, elle était misérable, elle était dans la boue, dans la poussière, dans le fait droit. Côté haïtien, pas qu'à l'école. Mais si à l'école, arrivé dans l'ici en question de pour jouer nos toilettes hygiéniques, pour le chuter sous lit. Sans aucune odeur nauséabonde nuit, respiration. Eh bien, l'idée, ça peut exister, mon cher. Parce que c'est toujours même conception erronée, même conception sous-développée. Eh bien, c'est tête moi, madame, petite moi, enfin, même pour me propulser. Et je peux accepter propulser un petit groupe qui passe au dans la famille. Ici, des étrangers, oui. Mais puisque je peux utiliser, parce qu'il n'y a pas tellement. Enfin, regardez, oh. Qui instruit, parce qu'il y a l'école, il y a un doctorat, il y a un diplôme, mais il n'y a pas éduqué, il n'y a pas d'éducation familiale. Maman, papa, il n'y a pas fait éducation. Mais maman, papa, il y a éduqué, oui, mais ce n'est pas bon, oui, ce n'est pas bon nés, il y a inné comme ça. Il y a nés, ce n'est pas bon inné. Hein? Vous comprenez ça? Donc, on a utilisé ces gens-là, on a eu le pouvoir, faire au sénateur. Même si vous n'êtes pas compétent pour le sénateur. Même faire au maire, même si vous n'êtes pas compétent pour sacrer les maires. La Gonville, la meilleure.
si ville, même si Abdi j'ai la tête en bas, hein? Même si on prend ville transformée en ville de chimère, en ville de kidnappeur, en ville de drogue dealer, on sait que c'est comme qu'a brassé jeune fille en oublié livrer tête à prostitution la ville en amène. Et s'ils sont nés qu'on a organisé face à groupe politique, force politique qui est un cabambou la mieux, n'est que ça gagne force suffisamment pour le mettre jouer dans l'esprit et d'aimer jouer dans l'esprit population, pour y voter pour moi. On gagne plus l'argent toujours, on fait mes mises sur tout privilège l'État pour mes intérêts, pour plus pouvoir dans mes mains. Là, me dit à gauche, même là, à gauche, que me dit, c'est dans l'abîme, là, vous. Mais pour me battre moi, cette assurance, cette grandeur, cette pseudo-grandeur, ça, qui habitait moi, parce que je me suis dit, malade. Eh bien, il est prêt pour faire n'importe quoi, faire n'importe quel job, faire n'importe quel sénateur, député. Et conséquemment, nous avons le type d'Haïti que nous avons aujourd'hui. Ah, le type d'Haïti que nous avons aujourd'hui. Et ceci est tellement vrai, nous avons ces hommes-là qui utilisaient des hommes, qui n'ont pas qu'une qualification, qu'une compétence, puis ni X ni Y. Ah, ouais? Et consciemment, ils connaissent qu'il y en a qui ne sont pas qualifiés pour le député, ni le sénateur, ni pour le juge, ni pour le maire. Ni pour le professeur. Il y en a qui fait quatrième. Il a fait quatrième secondaire. Il a fait cours dans le réto comme professeur. Il a député. Il a ces députés que les fait choisir dans la même condition. Il n'est pas supposé député, il n'est pas compétent pour ça. Il n'a qu'un programme que le gars écrit. Il n'a qu'un conseiller tout pour le connaître, pour le choisir de l'écrire un programme. Même si il écrit le prix, il n'a pas qu'à présenter. Ah oui, parce qu'il n'est pas à l'école pour ça, il n'est pas formé pour ça. Même si il a l'école côté là, Léo, pas, on a dit, sens des responsabilités l'État même dans source li pas gain l'école suffisamment gain professeur pour former type d'haïtien ça donc en plus chance doit avoir un député sénateur président ça y a éducation au fait dans type de l'école cocoratio il gain l'école cocorat pas vrai qui gagne de bons professeurs heureusement ah oui qu'à petite soirée depuis on tombe sur des professeurs providentiellement c'est bon Dieu qu'il faut tomber dans l'école ça qu'il faut tomber sur professeur ça et pour former puis former même que petite nègre qui c'est Richard là, qui plein d'argent, qui c'est millionnaire là. Ça arrivait. Ça c'est des cas particuliers. Ça aussi hasard. Ça aussi accident divin. Mais majoritairement, bon, je nègre qui c'est député, hein, après l'année, il n'est pas formé. Il n'est pas instruit, vrai. Il est instruit à morceaux. Mais puisque c'est bon nègre, bon bouleur de caoutchouc, pas vrai? Il est fort dans sa clé. Organiser mon pour faire manifestation, batambou, batafia, bat coup de bâton. Ben, on vient député. Le député qu'on est là, ben c'est normal. Si on lycée, on l'école là, on est en faculté, et puis le gonzan mille, qui tout pas instruit, Javel, qui dit mon cher, j'ai besoin de job. Ah mon cher, pas besoin de job. Ministre se contrôle, m'a pris le ministre en téléphone, et puis me dit mon cher, ben t'es un nègre dans tel lycée pour moi. Après le directeur général là, mon cher, j'ai besoin de tel nègre, il est rentré dans. Dans tel côté pour aller faire l'école. Et qui niveau n'est qu'à faire l'école dans le retour? Quatrième. Quatrième, il fait. Et pas même au bon quatrième, il va même qu'à contrôler les bouchers. Il va même contre qui j'ai pour le fond phrase. Et puis le camper en face des élèves, des étudiants ou des enfants, il va faire couper. Il va même contre ça, dire l'État n'a pas un curriculum qui définit d'ailleurs. C'est lui qui cherche côté bête lié pour venir déposer sur Timonio. Et pas qu'un professeur qui a vu de faire qu'un contrôle. Pour qui j'ai un professeur à pas déposer quoi, qui j'ai pas déposer, livrer quoi. Personne n'est responsable de rien, de personne. Donc, vous avez, n'est-ce pas, une société qui a fonctionné en galimatia. Donc, pour, on a dit, favoriser, faciliter type de médiocre ça, dans la société, hein, puisque système politique là, pendant les dernières années, c'est dans mes oliers, pas vrai? Mais puis, arriver qu'on est à gérer le pouvoir, Kembe société et jus de privilège ça pendant toutes ces années-là, ah ouais, mais faut qu'il soit confortable. Hein? Faut qu'il soit confortable. Dans le passé, il y a un système de créole français. On a question de bon poste occupé. On a question de ne pas faire l'école. Faut qu'on parle français avec étudiants. C'est les vieux sans français, oui. Hein? On considère le Caraïbe comme Sainte-Lucie, comme un pays qui parle créole rien. Et chaque parle créole différemment. Hein? Donc langue sérieuse, là, c'est on parle français. Obligé de parler français. Sans démagogie, sans démagogie. Hein? Eh bien, en entrée dans la politique, eh bien, question de parler français, ça, eh bien, les causes que le pays n'a pas avancé.
Parce que le politicien a parlé, le peuple n'a pas compris ce qu'il a dit. Le peuple n'a pas compris parce qu'il parle à l'école. Au lieu de dire, le peuple n'a pas compris, on ne parle pour le comprendre, puis ça ne pas dit plutôt. Si le peuple n'a pas compris, pour que ça même comprenne tout, c'est une soutenir le peuple, ça ne me comprend pas, c'est mal à l'école. Eh bien, le peuple a besoin de l'école. On mettait l'école pour le peuple. On forçait le peuple à l'école. On créait un système côté tout le monde qui a l'école. Alors, toute démagogie créole française, c'est fini. Ça va tomber. Le problème, ça va tomber. Mais puisque ce n'est pas résoudre le problème qui est important pour nous, ah oui, nous avons tant que sérieux là. Eh bien, être sérieux, ils ont pris temps, ils ont demandé énergie. Ils ont demandé des nuits sans sommeil. Nous avons tant pour ces rances, pour ces choses sérieuses. Non? Bien. On a une question de français, ça, on va le voir. Et surtout, nous avons une majorité qui ne peut pas parler français, bien content. Vous comprenez? Donc, si on a voté là, on a fait un vote, eh bien, c'est nous qui avons gagné. Bon, naturellement, c'est l'idée, oui. On l'a pour. Ou c'est le flambeau sur l'étagère. Hein? Ou c'est lumière qui a brillé dans cette terre. Les regardos, il y aura de là-haut. Il y aura de en bas. Hein? D'en bas à en haut. Vous voyez? Mais qu'on est là, le monde qui s'est leader, malheureusement, eh ben, c'est fait noyer. C'est en bas à mettre et puis il y a quitté le peuple à mettre en l'air plutôt. En bas, mon nucléaire là. En façon pour faciliter Nexa, qui fait quatrième secondaire, faciliter à la classe rétorique pour présenter coup là. Faciliter Nexa, qui c'est député sénateur là, qui pas fait un bon classe, qui pas formé bien, et qui n'a pas qu'une qualification pour ça, dans sacré, pas qu'un concept dans sacré les attributions comme sénateur, fonction que la prend pris, pas vrai? On dit, monsieur, pas le créole. On comprend non? Donc, puisque c'est que le maman le papa le parle, il levait, c'est que le parle, ben oui. S'il a parlé de politique, c'est pas que l'angle utilisé est important, non, pour faire mes gens passer, non. Mais quand question de, là où à l'école, quand les gens parlent, là où à l'école, quand les gens formés, quand les gens réfléchissent, quand les gens comprennent, la vraie, les données, quand les gens comprennent le problème, quand les gens qui ont exposé, à cause de l'éducation, à cause de gens instruits. Hein? Et moi, je dis, aux bons gens pour utiliser yo, bah, vrai? De manière scientifique pour entrer dans le cadre, hein? Entrer dans le cadre, côté que vous avez dit, que nous avons formé un plan, nous avons formé un système. Poser problème, mais solution. Hein? Poser problème avec toute solution, mais de manière scientifique, de manière académique. Mais là, que ces mecs qui pas formé hein, du tout, n'a pas utilisé, en façon plus haut. Qui a parlé pour nous, pour utiliser le monde qui a fait manifestation pour nous, il y en a qui ont le pouvoir, il y a le monde qui a le pouvoir, ça, pouvoir de rassemblement, il n'y a pas de problème pour me faire sénateur. Mais puisque il y a une langue qui n'a pas parlé, c'est français, parce qu'il faut aller à l'école pour parler français. Il faut aller à l'école pour lui. La langue pour arriver, pour pénétrer le loyau qui est dans le livre, il y a un français. La langue qui arrive pour pénétrer ça qui est dans la loi sur l'administration publique, là, qui est dans la société qui est organisée. Ah, qui j'ai un DGI marché, qui j'ai un SI marché, qui type de problème qui y a, tout ça dans le loyer. Mais par exemple, il m'a demandé, il faut qu'on ait. Ah oui, il m'a demandé, il faut qu'on ait. Donc, pour éviter ce type de problème, ça va, on a une question française, ça va. Moi, j'ai campé sous podium là comme député, c'est dans le pays où on vive, au compte de nos peuples, c'est haïtien, au compte de nos appels présidents, c'est Michel Martelly. Mais si tu as cité nos Martelly, mon cher, Martelly a crasé pignon, Martelly a volé, ça va facile, vous dit. Ah oui, ça va être facile, mon cher. Mais quand il est question de venir pour présenter là une proposition de loi, ah, ça m'a découlé, il faut le faire casse-tête chinois, il faut faire gymnastique avec l'esprit, avec ça qu'on t'apprend sur l'école. Hein? Ça qu'on t'apprend sur l'école pour faire le passer. Et pour faire ça passer bien, ah oui, pour faire le passer bien, il faut que ces gens t'apprennent l'école là pour faire le passer. Hein? Faire le passer clairement. J'ai honte à apprendre l'école là. Mais si vous n'avez pas apprendre l'école du tout, et puis vous langue vous parlez, vous pas apprendre à quel côté. À quel côté. Et pour parler en langue bien, il faut que c'est l'école pour aller. Qu'on parle anglais, ou parler espagnol, pour parler espagnol, l'école pour aller. Pour parler anglais, l'école pour aller. Alors, quand nous, ici, quand il y a l'Amérique qu'on connaît, l'Amérique noire qu'on connaît, quand il y a l'Amérique blanc qu'on connaît, l'Amérique qui a l'école qui fait université, on peut qu'on vienne parler. Ou une petite four là, mesdames, messieurs, qui est l'école. Elle est dans la high school, fais attention pour elle. La petite fille là dans l'école kindergarten, regardez pour elle. Première semaine, deuxième semaine, on mettait, elle sort de l'école, même si la caille au gonjon, on parle avec lui. Mais essayez de suivre lui.
le premier mois à l'école, là, ou après une sorte de transformation dans l'évangile parlé, dans le type de vocabulaire qu'il a utilisé, l'école avec Balil. Ainsi, pour arriver dans la secondaire, hein? Après, vocabulaire au fur et à mesure, on grandit. Il s'est attendu dans la société, mais il y a un pile, c'est l'école là, dans le livre, dans la fête de voile, dans la bibliothèque, il fait faire recherche. Le genre professeur a façonné la modèle. Hein? Il est arrivé dans l'université même. Regardez pour petit ou gain qui est dans la school, avec son gain qui est dans l'université, regardez pour il n'a pas parlé les mêmes gens. Il n'a pas utilisé le même vocabulaire. Hein? Donc, il a besoin d'où pour ça qui arrive dans l'université, hein? Avec ça qui parle dans quelle école du tout. Dans quelle école du tout. Ou bien qui arrive à moitié dans l'école. Donc, on dit en termes de. En termes d'efficacité, qui sont pensés, qui est supposé qui a produit mieux. Eh bien, en Haïti, on tombe dans une sorte de cocoratisation de sacré les systèmes éducatifs. Là. Tout le monde fait ça, vous voulez. Cocoratisation de sacré les politiques. Tout le monde arrive sénateur, tout le monde arrive juge, tout le monde arrive ceci, tout le monde arrive professeur. Et personne ne dit rien. Et même au niveau de la justice, dans les cours, dans les tribunaux, hein, au gars de monde qui s'est juge d'instruction, juge ceci, juge cela. Il n'y a pas qu'à parler langue qu'on suppose parler pour l'école pour arriver dans notre fonction. Hein? Éducation, on va bien faire. Et pour arriver dans ce type de poste, ce n'est pas en concours. C'est suivant compétence qui est arrivé. Mais puisque son société, pas vrai, de cocorate, côté c'est politique qui met en position qu'on y est, eh bien, n'importe monde, n'importe bagaille. En conséquence, on a une société qui a sous Bouddha. On a une société de corrompu. On a une société qui a fait noir. Parce que pour faire, il mettait cours dans le pays. Pas vrai? Il faut qu'on gagne des hommes, il faut gagner des cadres techniques, hein, qui pensent, qui comprennent le problème, qui raisonnent et qui ont compétences, qualifications pour accoucher des solutions. Ah oui! Alors, tu es sur du Duvalier, tu es courant 24 sur 24, tu penses que c'est comme ça, tu es courant. Il faut qu'on monde qui comprenne ça, qui est courant. Ce qu'il y a pour faire, qui est de connexion pour gagner. Côté courant, sorti. Ça va être naissance à lui. Et si on a un problème au niveau de central, mais qui a résolu. Et qui ont qu'à réparer, ça aussi cerveau, l'école pour aller. Mais là, on dit que nous baillons l'école la vague. Nous baillons les gens qui pour former les professeurs vagues, qui pour former les élèves vagues. En résultat, on a une société de cocorate. Haïti, comme je dis, en cocorate. Donc, là, on a un petit groupe d'hommes, pas vrai, qui plus ou moins, qui a une petite parcelle de bon sens la caillou, ou est-ce que Bagayo a parlé mal du tout, vraiment. Tout le monde Bagayo a parlé mal. On est obligé de faire quelque chose. Eh bien, ces groupes-là, qui souterrain depuis des années, qui finit à payer à mettre l'an et ça, et qui a accumulé tellement de richesses, et il vient arriver riche, le nouveau riche en Haïti aujourd'hui, hein? Rivé riche de manière irrégulière, eh bien, là, c'est difficile, mon cher. Pourquoi on est que l'on va venir planter en politique? Pourquoi on est que l'on va jouer le machine facilement? Ou pas jouer une opposition farouche? Et ce qui est pire, c'est que moi, je n'ai des hommes qui, derrière micro, je suis des journalistes. Au niveau de la presse, ça arrive tout, parce que l'école, au niveau de la presse, encore longtemps pour les journalistes. L'autre, non, journaliste a parlé, soit j'ai madame, soit de Michel Montas. Hein, soit de Michel Montas qui a parlé. Soit de les journalistes de Radio Lumière. Hein? Soit de les journalistes de Radio Métropole. L'entend? Bon, même qu'on y a Radio Métropole, plus ou moins, les garder au standard. C'est seule radio en Haïti, plus ou moins, en dépit de toute démagogie. En dépit de tout déficit de moralité dans la société haïtienne, pas que il y a moral, non. En dépit de tout déficit gagné en termes professionnels dans le pays d'Haïti, la dit métropole toujours été en référence. C'est sûr que l'homme dit référence, l'homme pas écrit avec un grand R. Et parce que son radio, tu as vraiment, tu as dit plus grosse station radio que tu as supposé gagner en Haïti, si tu es confortable. Mais son radio, c'est qui gagne des hommes là-dedans, qui formés, qui éduqués. Hein? Mais qui c'est des citoyens, à mon sens, à demi. Des citoyens de grandeur, qui ont une grandeur d'âme, même parce que dans un pays comme Haïti, même j'en vois pour les États-Unis, gens citoyens, ils sont prêts pour bailler vie, pour payer. Ils sont prêts pour, pour camper son traîneau, pour exposer les démagogues. Exposer les démagogues au péril de leur vie. En Haïti, il n'y a pas ça. En Haïti, il y a toute action qui a posé, les contrôler qui j'ai la posé. En façon pour toujours la soutenir. Ah oui? Parce que vagabond là, il doit tuer n'importe qui. Dans son pays, côté vie, n'est pas important. Mais autant que nous pas gagner des hommes, okay, qui dit au péril de ma vie, même si moi-même, moi mourir demain. Hein, moi mourir demain.
Même si que, sauf que je m'a respiré là, je perds le demain. Mais je connais que la petite personne, face à la totalité de population ça, qui a couché de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, de Charles-Marie Peralte, Rosalvo Bobo, toute une série de grands hommes, de grands hommes, Antenor Firmé, etc. etc. Louis-Joseph Janvier, Gérard Gaugue. S'il arrivait que, on ait un petit groupe d'hommes, d'après, qui, dans les conditions que nous avons, utiliser appareil l'État, utiliser majorité population qui pas qu'on lien, pour venir être monté. Et malgré cela, il a utilisé de ces privilèges-là pour traîner paysans dans des dépravations, dans la boue, dans le fait noir. Peut-être que qui haïtien a levé au jour le jour, il va connaître côté la vie, on mousse au pain pour le manger. Qui haïtien a levé au jour le jour, il va connaître qui j'aime maman, le papa à l'abouer l'école demain. Mais il faut qu'on le qui arrive pour qu'il y ait conscience qui doit. Au-delà du fait que maman, papa, ma vrai travail dû, il y a certains privilèges comme citoyen, comme il y a dans la société, il y a radio, il y a belle machine, ma bête dans belle maison, même une certaine notoriété, une certain prestige comme je dis au niveau de la société. Mais autant que vous n'êtes pas capable de dépasser ce moi qui gît en vous, vous n'êtes pas capable de dépasser votre individualité, pour ces citoyens-là qui périssent à Cité Soleil, qui levait chaque jour, qui a respiré, si vous levez le vêtement, chaque coup le palais, il y a 5 graines de mouche qui posent dans la bouche. 5 graines de mouche qui posent dans la bouche, chaque coup le palais. Maman, Chita, c'est dans l'environnement, c'est mouche, c'est fatras seulement. Ce n'est pas un choix, non. Ce n'est pas un bagaille choisi. Ce type de monde nous gagne comme leader dans la société qui est posé aux conditions ça. Et utilisez yo. Utilisez yo. Utilisez un bulletin de vote yo. Pour qu'embe yo maintenu à coupi. Mais faut qu'on le crive, mon cher. Cette dimension citoyenne qui traverse yo. Pas même des citoyennes humaines qui traverse yo. Vous dit, je vais devoir faire table rase, faire litière de ma vie, de mes privilèges. Et bien pour que, à l'instar de Jean-Jacques Dessalines, de Toussaint Louverture, que l'homme mourit, il n'y a pas qu'un seul songe qui tombe, qui dégage l'argent. Je seulement de une station de radio qui gagne qui connaît parler là-dedans. Mais c'était des mounes, des hommes, qui étaient fait partie de la société, côté un groupe d'hommes. Qui kembe toute majorité à couper nos misères abjectes. Abjectes. Et ces groupes d'hommes, et ces hommes-là, ou bien eux-mêmes, vous aviez pris position contre ça. Vous aviez pris position. Ou pas penser à votre petite vie. Naturellement, ce n'est pas toujours facile en tant qu'homme pour faire. En tant qu'humain pour faire. Pas qu'il y a un monde qui aime mourir. Ce n'est pas facile. Moi-même, Charles Jones, qui n'a pas la volant, on dit, hé, oui, piqué, l'homme de ça, on m'a crié, on m'a dit, on m'a pas crié. Pour mon tour, j'ai failli dans son cerveau. On va piquer là, ben ça fait mal. Ça fait mal. L'idée de la mort pour quel que soit être humain, c'est pas facile. Et comme de fait, sous nos sociétés, côté que l'on parlait, il y a un groupe d'hommes, hein, ou nos pays, si nous consacrons les pays, ou bien si des citoyens, si nous consacrons les citoyens. Et puis, il y a un groupe d'hommes qui jouit de l'État, et là que, ou même qui sont citoyens avec Météo là, ils ont utilisé privilèges âmes qui pour là, hein, peuple là, pour faire tuyau. Eh ben, son pays qui gagne des problèmes graves. Son pays qui gagne des problèmes graves. Parce qu'en Europe, il était gagné des groupes d'hommes aussi barbares. Sous le temps de Adolf Hitler, il était gagné des généraux et des citoyens et des sous-hommes qui accompagnaient. Après, pour décimer des millions de juifs. Décimer des millions d'Européens, décimer des millions de citoyens et de citoyennes, des enfants, des innocents. Des fois, sans raison, juste pour montrer pouvoir à Zamio, utiliser estrade populaire, estrade étatique que gagne pour faire méchanceté. Non?
Alors, on vient de constater que il y a un groupe d'hommes, à partir des États-Unis, si c'est pour des intérêts, naturellement, toujours il y a des intérêts, des fois, attachés à Bagayo, on parle de État à État, mais toujours est-il le fait que tu aies gagné un groupe d'hommes aux États-Unis qui dit que l'Europe trop souffrit, Hitler fait trop bagaille, il y a pour tes têtes alliés pour prêter mes fortes à la France, prêter mes fortes au peuple français qui vivait à genoux, des Françaises, on prenait pas des soldats allemands, venir la caillou, la cracher dans le figuillot, violer, mesdames, yo. Il y a des femmes qui étaient obligées, malheureusement, puis ont survécu, parce que c'est pas tout le monde qui aimait ça. Il y a cette grandeur d'âme, cette hauteur. Et bien, qui obligé les soldats à Mandel pour le Couchevel, les Couchevel. Hein? Les soldats à Mandel pour le trahir, payer la France, les trahir. Mais il y a un qui préférait mourir. Hein? Américains ont prêté mes fortes et délibéré la France. Ça permet quand même à des générations de se ressaisir, de se relever. Hein? Reprendre équilibre. Reprendre goût à la vie. Reprendre une certaine dignité. Et les soldats, les généraux, à pile là-dedans, qui étaient fait partie de ce système barbare, mais traîner la justice. Où est-ce qu'il y a manifestation? Pouillon? Dis non, pas mener soldats à la justice. La justice là, c'est votre justice, c'est votre système étatique, ou établi pour quel que soit le monde. Nous soupçonnons qu'ils font travail, qui posent une action mal. Dans la société, mais au monde, t'as reproché de une action délictuelle. Dans la société, il y a un groupe d'hommes qui mettent les juges, avec un autre groupe d'hommes qui a l'école. Et généralement, c'est nous-mêmes, société, qui payons l'école pour eux, parce que moi, je me fais droit. Pas payer 5 hommes, Qui a payé 90 piastres, hein, qui a payé 90 gouttes pour toute année. Et les citoyens haïtiens ont investi et moi. Hein? Donc, vous formez ces gens-là et au grand système judiciaire qui a agi citoyens haïtiens en votre nom. Et là que il y a un groupe de citoyens qui sont citoyens tant que vous, que loi pays ou que c'est loi pas ou, qu'on accepte, qu'on adopte. Et puis il dit que un tel lésé doit moi. On prend la justice avec elle. On parle comme on va faire manifestation. Pour dire non, vous êtes des imbéciles. Et là que le gris, vous vivez dans le fait noir, vous vivez dans la boue, mouche à partir dans la bouche, petit tout, c'est votre faute. À ce niveau, c'est votre faute. Non, c'est votre faute. Ça cause que il y a l'autre groupe d'hommes qui est tout aussi mal intentionné que Jean-Claude Duvalier, tout aussi mal intentionné que Aristide, tout aussi mal intentionné que Sacques Passé avant, René Préval, etc. Que les militaires à Raoul Cédras. Eh bien, puis ils viennent sous pouvoir, tuer mon Jean Ouvlé, voler comme pays un Jean Ouvlé, et puis après, pour madame, yo petit yo, acheter bel château, si vous voulez en exil, il y a vu dans un bel hôtel, il y a la mer, il y a plein de femmes, il y a mené, il y a vivre le paradis. Et puis après quelques années, mais nous gagnons moins coûte, nous sommes peuple de 100 honte, et puis après il retourne au pays. Hein? Retour au pays, au Bercaille. Et pas question de justice, ça c'est pour nous lier. Moi qui suis cité soleil, là, moi qui suis paysan, ah oui, là, on me dit, me font crime, mais ben, il y a mettez dans la prison. Même si on dit qu'on nomme de temps que je me supposais faire en garde à vue, avant mal devant le juge, mais non, je ne passe devant qu'un juge. Un policier n'est qu'à arrêter, moi, il décide, me font crime, il faut que je me prison. Et pas de monde à dire, moi. Pas que personne a fait manifestation pour moi. Mais quand vous avez une société comme ça, qui a autant de sens d'irresponsabilité, autant de sens d'irrespect, sens manque de considération, il y a une poulotte. Valoriser un groupe de canards, un groupe de méchants, parce qu'il y a eu l'argent à cause de nous qui fait l'argent. Parce qu'il y a eu non, de nous qui fait non. Il y a eu un bagaille devant nous, nous qui fait ça. C'est un peuple. Nous venons estimer que moun sa yo, yo vin trop gros moun, hein? Yo vin trop bon bagay, pas bon bagay, j'en connais, non? Son bon bagay qui yamè, sou mette l'an bouchou. Justice pas non, pas bon, pas fait pour yo. Vous n'allez nulle part comme peuple, comme nation, vous n'allez nulle part. N'a toujours été, chaque jour, n'a pas une société côté que, si Haïtien a levé, tout rêve, c'est parti pour le parti qui te paye ça. Une petite jeune femme, n'a levé.
C'est Patti Boule Patti qui te paye ça. Jeune fille, rien, 14 ans. Ah, ok? L'objet, son grand monde qui a 50 ans, 60 ans pour le prendre. Pour le mettre le coucher sur le monde, c'est comme papa. Pour la prendre, respirer, sous son grand monde qui a 70 ans, coucher sous votre lit. Pour le cabaler, on $20 pour le manger. C'est le type de société, ça, qu'on a couché. Quand nous acceptons ce type de comportement. Naturellement, il y a de monde dans la société. Hein, en vrai. Là, au camp, il y a fait manifestation pour un ancien président ou un homme politique. Il reproche une action quelconque, que légale, que le pas légale. C'est la justice qui vous dit, enfin, que le vrai, que le pas vrai. C'est la justice que nous mettons. Hein, pour vous dire, est-ce que oui ou non, que le monde a gagné raison ou il n'a pas gagné raison. Et si juge que nous mettons, hein, eh bien, il y a c'est des démagogues, il y a c'est des charlatans, il y a c'est, n'est-ce pas, des cupides, c'est le monde qui a fait bagarre pour l'argent, ou bien c'est politique qui a fait. Eh bien, nous n'avons pas besoin de la place que eux. La politique de la place, qui est qui met de la place ça? Comment vous faites arriver côté de vous? On n'a pas besoin de juge pareil. Le type de société que nous avons. L'obligé, qu'à quoi dans sa guerre comme justice là? Qui a commencé quoi dans la justice noire? Qui a commencé quoi dans la tête noire? Ou bien des hommes qui dans la radio, des hommes de radio, hein, des hommes de radio, des hommes qui disent que c'est intellectuel. C'est vrai? Pour être, même si intéresse à un homme de, qui toujours habité nous, haïtiens, en pile nous. C'est vrai? Eh bien, là, homme politique à ses amis, ou bien les hommes politiques, ça, les gens partis par, ou bien les gens parlent qui sont sous pouvoir, eh bien, homme de micro, ça le fait plus l'argent. Il a bâti hôtel facilement. Si le dit le mettre l'opposition face à pouvoir ça, il y a Balcob, il a voué sac là, Jean-Balé dans la radio, il fait hôtel, il fait restaurant, hein? Et puis deux jours, les grenègues. Et puis il parlait au nom du peuple là. C'est normal. Si on dit on est comme ça, il a invité la justice, et vous regardez pour elle. Tendez pas les points, est-ce qu'il est d'accord? Homme de radio, ça pas d'accord. Et regardez pour elle, on parle contre, on l'autre type de groupe monde, pour un type de discours que l'a gagné. Il est là pour la justice appliquée. Il est là pour faire selon les principes. Mais il y a un groupe de monde où pas besoin de parler comme ça de eux. Il n'intéresse pas. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un citoyen. C'est des sous-hommes. C'est des sous-hommes. Et nous avons pile comme ça dans le pays. Et malheureusement, nous avons pile comme ça dans la diaspora. Qui vivent, qui font l'expérience de la vie à l'étranger, malheureusement. Hein, de la vie à l'étranger. Comment on traite les gens? Comment on traite les pays? Quand on est prêt pour faire sacrifice, pour mourir pour le pays. Et les gens des démagogues qui ont utilisé de privilégiés pour entraîner, enfoncer dans plus fait noir. Eh bien, on vient un groupe de citoyens, vous voyez, qui est là pour exposer. Ah oui, les exposer. Ça pas qu'un monde va faire manifestation. Manifestation pour qui ça? Je crois que Dieu va aller avec madame. Je crois que Dieu va aller avec madame. Il va avoir un petit sage qui va parler. Il va avoir une famille. Hein? Il y avait une faire manifestation pour lui. Il a invité Aristide de la justice. Aristide qui est petit, qui est cousine, qui est frère, qui est soeur. Frère, qui est soeur. Qui est tonton. Il a invité la justice. Mais ma, madame, il y a petit, lui, à camper, faire manifestation pour lui. Il y a joué Aristide. Aristide pas content. Aristide le grand monde, c'est citoyen. Il y a à la caille, il prend téléphone. Il y a autant de téléphone que lui, mais il prend téléphone. Les radios qui ont parlé de mal, pour se dire, mon cher, soit dire, ce n'est pas la vérité. Ou bien, il y a un petit lion, vous avez préval plein petit. Ma parle préval mal, petit préval, madame préval, frère préval, soeur préval, tonton préval, apprend téléphone pour aller vous dire, mon cher, ce que vous avez dit, ce que vous avez avancé là, ben c'est correct. C'est citoyen, oui. Moi-même, comme citoyen, pays, non, nation, m'appartenir à un mosaïque, m'appartenir à une totalité. Et l'important, alors qu'on voit le citoyen pour comprendre le mosaïque ça, pour solidaire à lui-même. Solidaire à lui-même. On a parlé de, quand il est question de respect à loi pays. Il a accusé, mon cher, il a accusé qu'on fait droit. Eh bien, je ne pas juge. Je ne pas qu'on ait un gars dans le jeu ou pas dans le droit vrai. Je dois tuer le monde. Je ne pas marcher avec vous chaque jour. C'est frère Mouyé, il accuse. Il y a une personnalité, un tempérament, il y a une allée et venue. Même pas empêcher que la justice pour répondre à que. Il y a accusé de lien. Vous allez devoir répondre. Et si c'est vrai que vous êtes innocent, mais il y a un bon Dieu qui l'a. Il y a des juges qui l'a pour établir. Et qu'arrivé, il y a des innocents qui sont en prison pour la vie. Ça qu'arrivé, il y a une erreur qu'a faite. Mais toujours est-il, il y a une prémisse. Il faut nous respecter, mesdames, messieurs. Haïtiens,
Et ça prouvait que nous respections tout. Bill Clinton, président, il a dit qu'il prend forme dans la Maison Blanche là, pendant qu'il est marié. Eh bien, je l'ai invité, monsieur. Vous pensez que peu américain était prêt à la rue, à faire manifestation? Oh non! Pas président, mais pas le monde, non. Peu américain serait des imbéciles. Ce ne serait plus des citoyens. C'est à Bill Clinton, puisqu'il est président. Puisque nous croyons en lui. Est-ce qu'il te pose une action comme ça? Si vous voulez le poser, je ne parle qu'on est à camper devant la télévision, moi. Ou même pas dans le tribunal là pour moi. À partir des faits qu'ils ont établis ou présentés. Hein? À l'examen juge là, pour moi, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, eh bien, je retire confiance, moi. Si c'est pas vrai, eh bien, j'ai toujours gagné confiance, moi. La vie continue. C'est comme ça, citoyen évolué. Mais là, on quitte quelques dollars en vagabond bas haut, en politicien bas haut, pour l'acheter opinion. Pour l'acheter volonté. Et acheter volonté opinion, ça. Les faire ou capable de prendre des décisions, faire des déclarations pour qu'un BP ou divisé, qu'un BP ou dans la boue, dans le fait noir. Je ne pas comme soin, l'aime tendre ou pas comme soin, moi. Ça fait grand-pile les gars en Haïti, l'aime tendre dans la radio, me dit bon Dieu, mes aïeux. Et c'est des hommes qui parlent comme des intelligents. Hein? Et si là où dit, on a parlé français, on a dit, j'entends, c'est là où sont démagogues. C'est là où on est qu'on fait bagaille pour l'argent, pour intérêt, parce qu'on a intérêt politique, on a besoin de président, on a besoin de sénateur, on a besoin de job ministre. Et on connaît, il faut qu'on joue dans l'esprit de la population, il faut qu'on nous divise, en façon pour qu'on ait raison, raison, pour qu'on vote pour, voter pour partout là, pour le président là. Et puis qu'on a divisé les gens, on a créé une crise. On a choisi trois personnes pour le conseil électoral, on dit comme ça, ben pays, loi pays dit que. Non, pas une loi qui paraît, pas une loi, suivant la loi, au niveau du Sénat, eh bien, nous pas gagné suffisamment de monde pour jouer un vote pour nous arriver à choisir trois membres. Donc, légalement, il est impossible. Il est possible, nous pas violer la loi. Et puis, quand c'est la question de, yo soumis en premier ministre pour nous ratifier, la loi dit, mais qui ça pour nous respecter pour devenir ministre? Eh bien, nous dit que, si c'est vrai que vous allez respecter, oui, mais pour raison politique, nous ne pouvons pas voter. Donc la loi est importante pour nous quand ça arrange nous. Et la loi pas importante pour nous quand ça pas arrange nous. Qu'est-ce que vous pensez que ça plus fait sens? Pas vrai? Quand vous avez une société qui gagne des problèmes, pas vrai? Gagne des problèmes. Et société, c'est des problèmes qui sont urgents, qui sont importants, qui sont fondamentaux pour eux. Et il y a besoin de solutions rapidement. En façon pour débloquer une crise quelconque. Et s'il arrivait que une loi qui dit, si nous adoptons comportement, ça c'est vrai, la bonne pour la population, la cause que le pays décrispé, la cause que le climat politique, la bonne décrispé, et la population qui a gagné, souffre, qui a gagné la paix, et les choses qui ont évolué dans le bon sens. Est-ce que nous avons choisi pour nous dire, bon, c'est vrai, légalement, c'est pas de matière pour nous faire. Mais si le peuple là, à partir de sondages que nous faisons, nous légitimité, parce que la loi nous fait. La loi n'est pas faite tête. Et la loi est faite pour servir nous, pour servir l'intérêt nous. Et si on loi à partir de erreur pas nous, pas servir l'intérêt nous, pas vrai? Même j'en ai une loi qui l'a pour nous respecter, nous pas respecter, pas vrai? Pour intérêt, mais ce qu'est nous, même j'en tout. Les on loi aller à l'encontre de l'intérêt collectif là, à l'encontre de l'intérêt mesquin pas nous, pour qui ça empêche que nous choisissons. C'est vrai que légalement, pas de matière. Mais puisque le peuple, la population dit oui, hein? Pour cette fois, on va le faire. Ça va passer, Namouri. Oh, nous ne respectons pas la constitution. Mais combien de fois nous avons énuméré? Combien de calottes que nous avons la constitution pays ça? Je dis que nous avons encore faux, côté que monsieur. Il y a deux choisis, trois membres. Pour aller au conseil électoral permanent, il y a deux non. Avec le conseil électoral permanent, il est illégal. Nous n'avons pas de matière pour l'illégalement. Inconstitutionnel, le café. Mais qui sont venus? Mais on fait un conseil électoral provisoire. Mais conseil électoral provisoire là, c'est illégal. Mais c'est illégal. Mais vous me dites que ou pas qu'à faire un conseil électoral permanent parce que c'est illégal. Et pour vous dire comme ça que, on fait un provisoire plutôt. On rentre pour que ça, vous voulez provisoire là, ou même qu'à penser. On rentre pour que ça, laissez permanent. Bah, vous dites, chaque fois, on a choisi trois membres. Conseil parlement, trois membres. La présidence, l'exécutif, trois membres. Et puis le pouvoir judiciaire, trois membres. Donc c'est deux groupes qui sont indépendants, qui ont choisi trois membres. Et trois membres choisis, je n'ai pas gagné un plus avec sa députée parlementaire passée.
Donc, toi, individu, ça, le président choisit le monde que je voulais. Le Parlement choisit le monde que je voulais. Mais puisque traditionnellement, les nègres font l'élection, vrai, ils choisissent un petit groupe dans la société civile, un petit groupe dans l'église, un petit groupe cela, un petit groupe l'autre bord. Comment ça? Et petit groupe choisit en général, c'est des mondes qui connaissent. Des mondes qui font dans sacré les fait élection magouille pour eux. Donc, c'est des mondes qui ont acheté caractère, qui ont acheté parole, acheté dignité. Si avec type de bagage en habitué. Mais si vous êtes entré dans le conseil électoral permanent, côté moun sa yo là de manière permanente, et président sa le choisit trois moun palio, il gagne plus de chance. D'accord? Puisque c'est président, c'est lui-même moun sa yo paraît qui a gagné une sorte de redevance par rapport à lui-même. Et nous-mêmes, qui ne faisons pas partie de l'opposition, c'est seulement trois graines que nous avons choisi. Hein? Donc, l'air de gagner l'élection, quand il arrive que nous perdons le contrôle moun sa yo. Hein? Donc, il est arrivé que nous perdons l'élection. Pas qu'un magouille que nous avons fait. On nous pète coquin. On nous pète coquin. Et pour nous péter coquin, on l'a déchargé, mais c'est le président qui parle l'élection faite. C'est le président qui parle de choisir mon nom. Il choisit trois mots, il choisit mal. You're killing me now. Et trois mots, mais trois mots, nous pas. Que trois mots pour là. Non, trois mots pas mieux, je ne pas choisir parce que je n'ai pas moyen légal pour ça. Ça bon? Les gens pile temps pas moyen légal, je dis encore, les gens arrivent font commission, ils relèvent la commission ceci, hein? Commission, on est bicaméral, qu'est-ce que c'est de gros nom, des sénateurs qui ne sont même pas sénateurs qu'on y a au niveau de cette commission, ils sont commissaires. Ces hommes d'Haïti, ils ont un nom. Et sénateurs, ils ont déjà besoin de nom, je suis le commissaire, je m'appelle dans ton léger, je suis le commissaire. Hein, tout parler, c'est quand même de parler français. C'est comme si l'on parlait français, ça veut dire tout. Mais en termes d'action, pour les gens mettre tête, tu choisis trois mondes. Pour faire mon petit conseil, les gens fait des années, ils fait des mois par empire solide. Vous comprenez ça? Parce que le pape qui a fait type de magot, il va pas contrôler mon nom. Et puisque, comme de fait, en fait, traditionnellement, l'élection, en fait, si vous comptez sous pouvoir avec le président Payot, yo kon ki jan yo kon manipule le conseil électoral yo pour yo mette moun yo vle. Et en pile là de qui dans chambre dans jodi là, s'acheter acheter poste là. C'est mettez yo côté eux, pas vrai? mettez yo. Donc yo gantan prévoit puisque c'est comme ça président nous yo kon fait, c'est comme ça nous kon fait nous fait partie du système corrompu. Eh ben président ça c'est ça qui est intention, c'est ça que le besoin faire. Avec type de rancé ça yo, qui le haïtien jam pointe être sérieux mes amis. Hein? Pour dire, mais pour qui ça ne pas qu'à quoi dans tête non? Pour qui ça ne pas qu'à quoi nous choisir? Toi, monde que nous choisissons, c'est toi, haïtien. Conseil électoral permanent, les lois, les principes que l'État, que le chita soulé. S'il arrive que le monde sache, il commet des actes. Ah vrai, il a volé l'élection, il fait fraude à cause. Pas gagné un système qui l'a pour juger. Yo. Pour qui ça, monde que l'a mette pour juger, monde qui est dans le conseil électoral là? Pas qu'à juger, yo, selon les principes. Pour qui ça ne pas qu'à quoi le type de monde supposé exister dans la société. Mais on dit, on avait maintenant, on n'a pas besoin de l'État. On vit comme des bêtes, comme des animaux, on nous savonne. On n'a pas besoin de créer l'État, nous avons le Parlement, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le Premier ministre, etc. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est des animaux, nous avons besoin de savonne, nous voulons, nous avons besoin comme pays. Parce que nous prenons tête comme des mondes qui nous savonne. Parce que nous ne croyons dans rien. Et là, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Quand vous avez des hommes comme ça qui se font appeler leaders, hein, qui se font appeler leaders, hein, des sous-hommes qui se font appeler leaders. Jean-Claude Duvalier, au niveau de la cour d'appel, première fois, il était invité, Michel n'est pas allé. Mais je dis, eh ben, il va le prendre Michel dans cette chute. Il n'a pas arrêté Michel, mais Michel déplacé. Bon, l'important, c'est que Jean-Claude Duvalier est allé. La justice haïtienne. Elle est allée plusieurs fois. Et c'est normal que vous évitez injustement contre les principes, que vous pas évitez injustement. L'essentiel, vous devez, comme citoyen, respecter le système judiciaire de votre pays. Et s'il vient arriver que vous invitez de manière irrégulière, de manière illégale, eh bien, il revient à cette justice de trancher en votre faveur. C'est pour ça, citoyen élu monde. C'est pour ça que nous avons un juge à payer chaque jour. Là, on a un juge en Haïti, pas vrai? Il y a une machine l'État balé, oui. Hein? Machine l'État balé. Il y a la sécurité, oui. Il y a les amis.
Et c'est le privilège que le juge de yo. Il y a un bel bureau, oui. J'ai un ami qui est commissaire, enfin qui est juge d'instruction. Maintenant, il est doyen. Il est maintenant bureau, monsieur. Hein? Mais il y a un bel bureau. Hein? Avec bel drapeau, bel ceci, cela, télévision, flash screen. Et puis, il y a deux sécurités. Il y a deux, il dit, il y a besoin de deux maisons, seul, plutôt. Comme policier, comme celui tout connaît le passé. Ça aussi, c'est des privilèges, mon vieux. Et puis, on va profiter de privilèges. On va dire, ma justice. Et on prend l'argent, non mais homme politique, pour faire politique avec le système judiciaire de mon pays. Juste ça. Évoquons, mon cher. Et on va aller en prison. On va payer un mode pour ça. C'est pour ça que nous l'État. Pour que ça puisse arriver à l'étranger, mon vrai. Depuis que nous arrivons à l'aéroport, nous conformons. Non. Parce que nous prenons notre pays, côté Gémoun. C'est là Gémoun. Dans le pays, pardon, c'est bête qui est là. Pour une brisa, parce que nous prenons tête comme bêtes haïtiens. Parce que ces choses-là, il y aurait volté, il y aurait volté derrière ce microphone. Et c'est pourquoi, quand j'entends des hommes parler, qui pensent, je suis homme, parce qu'on est homme politique, je suis leader politique, homme de radio, qui a pu utiliser le micro, qui a pu utiliser le cerveau monde, pour vous et être monté, mon vieux. C'est révoltant ça. C'est révoltant et c'est votre devoir de citoyen. Votre devoir de citoyen. De, pour mettre en face mon saillon. Hein, peu importe les bons noms, je dois défendre ceci, je dois défendre cela à cause de Gadeo. L'essentiel, gagnons conviction dans l'action qu'on a posée, dans la parole qu'on a dit. Et toujours assurons que vous respectez le pays, vous respectez que vous soutenez, vous respectez nos citoyens qui attachent à vous-même. Pas dit n'importe quoi, ou pas fait n'importe quoi, ou pas qu'il y ait des vagabonds achetants. Quand Michel Martel gagne l'argent pour l'acheter, moi. Hein? Moi, trop fréquent, Michel Martelly va l'acheter. Hein? Michel Martelly n'a pas gagné l'argent pour l'acheter au monde commun. René Préval n'a pas gagné l'argent pour l'acheter au monde commun. Hein? Aristide n'a pas gagné l'argent pour l'acheter au monde commun. J'ai voté une fois dans ma vie pour jamais après Aristide. Hein? Mais si je me devrais recommencer un choix qu'on s'en compte, jamais de la vie. Même dans le cauchemar, je ne vais jamais voter pour Aristide. Hein? C'est expérience, je montre pour qui ça. Mais il faut gagner un jeu pour comprendre que le pays, il faut respecter. Et il faut qu'on fait homme d'État qui passe sous pouvoir, il faut qu'il respecte l'État. L'État n'est pas respecté, il faut qu'il paye ça. Si le cas arrivait que moi, en tant que citoyen, me trompe, m'accuser en chef d'État à partir des informations que je gagne, et les informations ne sont pas justes, ce n'est pas vrai, et bien c'est la justice qui vous dit oui, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Je ne vais pas arrêter de faire manifestation pour Aristide. Je ne vais pas arrêter en tant que citoyen de respecter le pays. Je ne vais pas camper faire manifestation pour Michel Martelly. Michel Martelly est petit, il est madame, il est femme, il est cousin. Il a fait manifestation pour lui. Et là même que cousin le petit lit campé pour faire manifestation face tribunal de mon pays pour dire que le pays innocent, m'en fâche. Parce que c'est juge pays seulement qui a habilité pour dire papa ou innocent, pas innocent. Pas vous. À moins que si y aurait l'eau comme témoin. Il y aurait l'eau comme témoin à la cour pour le témoigner. Et aux jeunes des hommes dans la radio qui disent hein, question de Duvalier, ouais, il est là. Son prétexte, lui, il apprend. Hein, on prétexte, il prend. Puis il carré les Aristide avec Préval la justice. Pour vous marteler, carré. Mais qui doit marteler? Le président marteler, c'est un président. Il fait partie du pouvoir exécutif. Il y a un pouvoir qui s'appelle pouvoir judiciaire. Hein, qui est là pour juger le monde. Mais donc, il faut toujours pour nous mélanger les choses. Parce que. On ne veut pas que les choses changent. On ne veut pas que les choses évoluent. Justice, la folle, fonctionne seulement en seul bord. Pour un groupe de monde seulement, pour malhérer. Vagabond, nous faisons gagner l'argent. Nous mettons au président, nous faisons au ministre, nous faisons des députés, des sénateurs. Depuis, on vole l'argent bien. Et il y a un pile d'âmes. Et il y a un pile fanatique que vous payez comme pour défendre. Un pile chien, alors. Il y a des chiens. Ouais, des chiens de chasse. Il y a un bon côté, il y a l'argent. Il y a un sénateur député. Et puis, un pile homme de radio, il y a l'argent. Puis on fait hôtel ce sujet-là, pour parler de la radio pour eux, mais que ça, c'est des intouchables. Vous ne pouvez pas évoluer dans une société pareille. C'est comme bête étranger, pardon, comme bête, comme des animaux haïtiens. Comme des animaux. Mais c'est pas sérieux ça. Hein? C'est pas sérieux. Alors, de toute façon, on va suivre le grand débat. Non, Pam, c'est Charles Jones. Pam, salut, madame Margaret Steele. Ici, en real estate agent, je salue Maître Pierre Iéloi, un grand avocat de la ville, M. Willy Charles, le docteur Vasti, M. René, Destin Nicolas,
les amis de Zone Barbershop qui branchaient le 87.9 Axe Cadet. Don Madsen, bonsoir. Et toutes les amis qui branchaient le 87.9 ce soir. Et nous disent bonsoir. D'abord, tout d'abord. Donc, comme nous connaît l'ancien président Jean-Claude Duvalier, qui était doué, enfin qui devait être amené de gré ou de force au tribunal jeudi qui se passait, hein, a bien été volontairement présenté devant la cour d'appel pour juger des quatre délits. Donc, Jean-Joseph Lebrun, c'est le juge qui est censé attendre dessus ça. Donc, affaire là, t'es censé envoyer à Huitaine à satisfaction de accusation de partie de la défense là. Donc, il y en a un avocat de ancien président Jean-Claude Duvalier, M. Fritzo Canton, a bien réjoui de ce que décision, réjoui de décision juge là, et souhaitait que c'est la justice, hein. Moi, un type de bon sens, c'est la justice qui triomphe. Et ça va pas supposer qu'il y ait démagogie d'ailleurs, c'est la justice qui triomphe. Donc Jean-Claude Duvalier était en présence de victimes liées pour la première fois. Et il était parlé très bas. Et donc, le monde qui nous dit, ça pas qu'attendre réponse que Jean-Claude Duvalier t'a baillé à Jules. Donc, c'est greffier censé répéter les paroles. Les propos de l'ancien chef d'État, l'ancien dictateur. Donc, lorsque le juge Jean-Joseph Lebrun lui a demandé s'il assumait ses responsabilités pour ses années au pouvoir de 1971 à 1986, eh bien, Duvalier répond « Je crois avoir fait le maximum pour assurer une vie décente à mes compatriotes. À l'époque, le gouvernement gérait la misère. Mais les entreprises publiques fonctionnaient bien et les Haïtiens envoyaient leurs enfants à l'école. Je ne peux pas dire que la vie était rose, mais les gens vivaient décemment. Hein? Donc à mon tour, disait Jean-Claude Duvalier, à mon retour, j'ai trouvé un pays effondré et ravagé par la corruption. Puis est survenue la question osée et embarrassante, qui est une remise en question du travail de ses successeurs, monde qui passait après Jean-Claude Duvalier à Léon, qui passait sous pouvoir. Il y a du juge Duvalier jeudi, il dit qu'il fait crime, il fait ceci, cela. C'est vrai, puis il fait plus de crime. Il volait plus de 200 millions de dollars payants. Il dit Aristide volait 600 millions. Jean-Claude Duvalier volait 250 millions. Dans l'époque là, on est payant, t'es qui moins l'argent. Eh bien, Aristide, 600 millions de dollars. Hein? Jean-Claude Duvalier tue plus le monde. Hein? Papa avec lui-même pendant 30 ans, il tue en pile haïtien, enfin pile crime. Donc un monsieur comme ça, au regard des lois haïtiennes, t'as supposé juger, c'est normal ça. Ça c'est normal. Je suis d'accord avec ces choses. Mais là, il y a un monde qui passe après, qui fait des crimes tout, ou bien société accusée qui fait crime. Ou pas un groupe d'hommes qui a pris cours radio, ou bien qui dit aux ces journalistes, qui dit aux ces politiciens, ou bien qui dit aux ces sénateurs, qui a pu utiliser de posture qu'il y a dans la société, hein, pour entraver la justice. Et bien, ça cause que, moi, avec
les fait que étrangers pas capable nos valeurs. Les fait étrangers pas prendre système pays non au sérieux. Ça fait que nous pas comporter comme citoyens aussi. Donc l'important pour nous ériger tête contre ces individus là, contre ces choses là. Donc quel que soit le monde goyen, depuis au reproche ou action quelconque, sous innocent à la justice pour prouver. Et pas qu'on soit allé aux États-Unis. Là au bon ticket bon la caillou, pas vrai. Ou estimer policier bon ticket illégalement sauf voilà la radio plein, voilà la côte. Hein? Là vous voyez on l'aide pas voilà la côte sauf au plein. Ou qu'a plein dans la caillou. Mais qui sont faire ou faire manifestation dans la rue? Voilà la côte. Chercher qu'on avocat pour plaider cause pour sous innocent, on gagne de cause. Et au coupable vous payez les frais ou bien la prison. Mais pourquoi dans votre pays vous ne voulez pas que les choses se passent ainsi? Mais surtout pour moi, nous dit nous le président, nous le sénateur, c'est nous qui vivons les saillants. Qui sont des hommes, des êtres humains, des imparfaits comme nous. Hein? Pour qu'ils ne soient pas qu'à montrer effectivement ça que nous croyons comme nous sérieux, effectivement au sérieux. Effectivement, nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons pas prouver effectivement qu'ils ne pas voler. Hein? L'on agit comme ça, on respecte tout comme on respecte le pays ou comme citoyen. Hein? Ou pas juge. Ou grand temps là pour juger le monde, parce que c'est parce que ou quoi que son monde qu'on c'est fanatique. Il n'y a que les hommes qui fanatiquent monde. Les hommes, hein, monde qui homme tout bon, qui gagne tête sous épaule, qui est maman, papa qui fait yo. Hein? Qui est maman, papa qui fait yo. Il va marcher des mondes, il va marcher des idées, monde. Et moi, Charles Jones, marcher des idées, monde. Je ne vais pas marcher des mondes, qui ont eu marché de là. Hein? Je marcher des bon Dieu. Si je connais, je ne pas perdu. Mais marcher des hommes, je pas perdu quand même. Mes aïeux, ce sont bons hommes ou sont hommes de bien à partir de l'action ou à prouver qu'on est sérieux. Ils ont fait crime, par sentimentalité, attachement, oh, j'aime qu'on ait rien, qu'on a dit mon cher, ça va être innocent. Mais combien de fois, ou qu'on a pris un arrêt de cœur, ou qu'on a fait crise cœur, au monde qu'on fait confiance en pile, et pour discuter pour lui, et pour réaliser, monsieur, t'es fait le vrai, il fait, je cherche. Hein? Mon Dieu dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Hein? Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Les aïeux haïtiens, et pour nous suspendre ce type de bestialité. Donc Jean-Claude Duvalier dit que le monde qui était sous pouvoir après lui, elle retournait après les jeunes pays ravagés. Hein? Ravagés, détruits par la corruption. Hein? Donc il remettait en question quand même le travail que Mounsaïo a accompli. Un pays plein de la bouffe et noir. Pas qu'un camep encore, pas qu'un télécom encore. Il fait que oui, mais il y a monde qui passe après lui. Ce pays en Italie là, comment? Ce pays avec mes têtes, les consens, bien monde qui veulent. Mais où est la responsabilité? Qui est responsable? Non, haïtien parle, monde qui est responsable, il est responsable. Parce que monde qui est responsable, il fait au sénateur. Monde qui est responsable, il fait au gain l'argent. Monde qui est responsable, il fait au café deal drogue, j'en voulais facilement. Monde qui est responsable, il fait que je dis à ces chefs kidnapping. Oh là là! Oh là là! Moun qui est responsable fait que l'homme que c'est journaliste, il a des petits chèques, $3,000 ici, il a touché. Environ $3,000 et quelques dollars américains chaque mois, il a touché. Mais fait que qu'on y a eu un hôtel, il y a plus d'argent que comme journaliste à Kabayo. Eh bien, il y a défendu ça, même si on fait crime du bec et des autres. Surtout, les grands pile monde qui sont dans la société, malheureusement, qui va qu'on lit, qui pas formé, qui pas éduqué, qui se développait. Quoique, les autres n'ont pas parlé dans le micro, n'ont pas parlé bien. Hein? N'ont pas parlé bien dans le micro. Et puis, mon n'ont pas grand dimension, mais pour le prêter attention à ça, mon n'ont dit. Est-ce que ça, monsieur, dit là, fait sens? Est-ce que, il fait sens pour monsieur de défendre mon ça, que l'a défendre comme ça? Pour qu'il n'a pas quitté mon là, le tribunal, plutôt? Est-ce que monsieur, son juge que l'est? Pour la faire jugement, mon dans la radio? Est-ce que monsieur, ça, c'est une autorité, les dans le pays, son politicien? Pour la parler, j'en ai parlé. Pour la traiter, mon, j'en ai traité mon. Qui raison, M. Gagné, il parle comme ça? Qui intérêt, M. Gagné? Hein? Pour qui ça, M. Gon, groupe, mon lab défendre? Pour qui ça? Pour qui raison, même? Hein? On essaie de garder qui j'aime ça vivre. Qui j'aime M. de connaître vivre avant? Qui j'aime M. de connaître? Hein? Combien de gagné la banque? Combien de gagné avant de venir dans le job? Combien de gagné connaître? Comment le faire comme ça? Comme que l'a touché dans mes coques de l'air, avec comme que l'a connaître là? Durant l'année, il fait un job ça, est-ce que le cas est compilé comme ça? Est-ce que M. Gon a un job? Non. Hein? Donc, il faut que les gens posent des questions pour essayer d'exposer un peu le charlatan dans la société. Mais nous n'avons pas de personne. Tout le monde peut tout le monde. Tout le monde achète figure, tout le monde parce que Haïti n'est pas important.
Haïti sont pile fatrasons dépotoirs, de démagogues, de corrompus, de chimères, de kidnappeurs, de criminels. Et justice là, les seulement là pour malheureux. Est-ce que ça n'a pas révolté, l'audience haïtien? Ça n'a pas révolté, oh? En tout cas, moi, ça me révolte. Et faute de quoi, madame, tournez le micro ça chaque jour. On ne me paie pas pour être ici, chaque soir. On ne me paie pas. Et d'autre en plus, je n'ai aucun respect. C'est pas que ta frère ne doit pas respecter, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Hein? C'est pas ce que je veux dire. La prison auprès des mondes qui a pris, c'est pas qu'on est ni en noir ni en rouge. Et puis dans leur façon de vous aborder, le traiteur n'est pas de gens. Mais puisque ce sont des gens politiques, vous acceptez ce comportement-là. Vous comprenez ces individus-là. Mais quand vous connaissez la personne que vous êtes, effort au fait avec tête, et type de personnalité qu'on a, pas vrai, ou pas moun qui a fait bassesse devant personne, ou pas moun qui a pris l'argent pour faire des bagailles contre moi. Hein? Donc on ligne droite qu'on va suivre. Donc c'est normal, on va quitter moun, parler avec n'importe gens. Mais derrière ce microphone, m'accepte. Hein? Donc il y a moun qui accepte, il a touché un peu l'argent pour lui. Wesh l'imbo, vrai. Wesh l'imbo, jouro, l'oreille dans le chou là. L'oreille, vous voyez, jouro. Car accroché sous. Hein? Sean Hennedy, qui n'a joué, il a accroché sous. Il y a un petit grand monde qui est Mark Levin, même, qui sont républicains. Vrai? Tout. Ça me joue. Il y a un qui est Dr. Salvage. Monsieur, c'est gros bêtise que l'eau. Mais là, ça aussi des millions de dollars, il y a Bayo chaque année. Hein? Des millions de dollars. Moi, l'orgue là, je me joue, soit vous pouvez monter. Hein? Je me mets dans le relou. Hein? Et 150. 150. Vous voulez pourquoi ça? Parce que moi, je voulais rendre le pays dans le service. Parce que je connais que non haïtiens, hein? Papa, maman, papa, maman. Côté me soutien haïtien, c'est pas papa maman qui gouverne pour ça. Il y a des mondes qui mourent, qui passent de misère comme esclaves, qui fait comme haïtien. Mais faut qu'on bagaille que me fait comme contribution, comme citoyen. Hein? Pour au moins faut il fort et élever tout petit dans la dimension mon ça yo. Honorer l'esprit. Yo. Pas qu'il des vagabonds à faire dans le pays non. Hein? 12 janvier, les conséquences du 12 janvier fait me perdre du maman moi. Puis bon, amis, comme de gagner en vie. Eh bien, depuis 12 janvier, je me campé devant la télévision, je regarde CNN. Il a montré le président du pays, je parlé. Comme leader. Il a montré combien de monde qui mourit. Et mais combien de monde victime qui a évité si tu as une structure en place. Si tu as des hommes d'État responsables. En vrai, je me dis que ce n'est pas fait sens. Un poids haïtien, à cause qu'il y a à l'étranger, accepter d'être les bras croisés comme des spectateurs. Pour suivre que le pays s'est dégringolé, mais qui est, on a dit un mot. Voir pas que la tout petit, mais au moins, m'espérer que 2, 3, 4 haïtiens attendent. Et ça attendait, ils ont répété dans un autre monde pour faire une différence dans le pays. C'est ça, une raison qui motivait la présence de derrière le micro. Hein? Donc, si c'est l'argent, blablabla, si je me dérimais l'argent, je ne serais pas derrière ce microphone. Et moi, ma bon défi, attendez un peu l'émission qu'on a fait dans la radio en Haïti. Attendez, en termes de substance. De présentation, naturellement, il y a un effort, sacrifice que je fais pour me présenter une émission des radios. Et quand je suis venu ici, je me présente une émission. Après, pour dire, monsieur, présente une belle émission. Hein? En termes de substance, voilà, monsieur dit de bagailles qui est vrai. Monsieur dit de bagailles qui a aidé moi, qui a aidé le pays. Hein? Je me fais effort pour ça. Moi, je suis en minimum que m'estime que Haïtien a besoin. Hein? Que Haïtien a besoin. Qu'on supposait gagner, hein, au minimum chaque jour là. Mais des fois, on boit plus, on connaît ça consciemment, on boit plus que moi. On gagne des jours, on boit plus que l'autre jour. Mais toujours est-il, soit comparé à pile les gars qui a touché en Haïti pour faire émission sociopolitique. M'en fait là, mon cher, moi, ou pas, je n'en appelle pas, quand je n'y en, ou quand je n'y en, on boit pas de dos, quand je n'y en, cap bon bagaille qui est éducatif. Quand je n'y en, sous jeune deux, mon cher, on cherche un pile. Parce que le pays est tellement dépravé, le pays est tellement gain de corrompus, le pays est tellement grand système de bluffeur, de cocorate là-dedans. Eh bien, n'est-ce que vous pensez qu'il est sérieux, n'est-ce que vous pensez qu'il est éduqué, qu'il est formé à l'école, bah oui. Eh bien, vous quittez politique, vous quittez politicien dépravé, achetez l'esprit, yo. Et vous servez de micro. Mais vous devez parler bien fort, vous devez parler bel français, vous devez dire bel mot. Hein? Achetez avec toute micro. Pour jouer dans l'esprit population, pour bailler politiciens vote, puis au président, puis au ministre, député, sénateur.
Et puis il a fait comme, il y a un hôtel. Ah oui, hein, il fait de grands investissements. Hein? Charles Jones, la sueur de mon front. Je vis avec la sueur de mon front, moi. Au cas où, ah, Charles Jones, m'a télépayé là, parce que mon travail n'a pas fait sur le terrain contre monsieur Kirillé, enfin, contre le président Martelly, pour intérêt payo. Et puis je vais à l'école moi-même. Je vais à l'école, oui, à l'école. Et les l'école à m'utiliser, ça me prend l'école là, plus ça, maman, papa, me frère, me m'en m'utiliser ma matière grise, moi, pour ne pas quitter mon journaliste, pour ne pas quitter mon femme pensée, je voulais. En façon pour influencer négativement, contre intérêt pays, non. Vous comprenez ça? Hein? Donc, ces hommes-là, c'est ce qu'ils font. Ils ont une connaissance là, quand ils ont. Je les mesdames, ce sont mesdames liées. C'est à l'école, c'est vrai. Il est éduqué, c'est vrai, il a un diplôme, c'est vrai. Mais son nègre, il n'a aucune moralité. Il a fait n'importe quoi, il a besoin, c'est son putain, lui. C'est un putain politique. C'est un journaliste putain. Hein? Même si voilà, il est prostitué, il y a un nègre qui en Haïti, c'est des putains, des putes. Ils font tout pour de l'argent. Il a parlé, oh bon Dieu, vous prenez ce texte, c'est dessalé dans la personne, oui. Mais il faut que tu suives pour suivre le langage, il y a deux langages. Il y a un langage pour un type de monde, et il y a un type de langage pour un autre type de monde. Il y a un type d'invité, il y a un long citoyen qui vraiment, ou un pays, ou un pays, ou un histoire paysan, ou un terrain paysan, ou un monde qui passe sous pouvoir. Et puis, voilà, vous avez vu dans l'émission, monsieur, les traiter comme des seigneurs, comme des bons dieux, enfin, comme des dieux. Et pourtant, il y a un nègre qui va m'inviter aussi, même qui met pays à côté de l'IA, sur le pouvoir, il y a des députés, ou il y a toujours des députés, tous des sénateurs, il y a des ministres. Et non, c'était dans pile mauvais bagaille. L'exemple, c'est un milieu. C'est l'exemple là-bas, bravo pour eux. C'est-à-dire qu'ils t'ont parlé. Et là, qu'il y a des hommes, des citoyens, ou pas jamais entendu parler de eux-mêmes. C'est de monde qui sont arrivés à l'étranger. Ou bien qui sont dans la société, qui vivent, qui ont des métiers, qui vivent de métiers. Et bien, il arrive que, par la force des choses, bien les circonstances, ils ont joué un job, ils ont décidé de servir le pays. Et puis, après, l'exemple, c'est lui-même qui a exposé. En fait, traiter mon zayo comme, n'est-ce pas, de monde qui n'a pas aucune personnalité, parle avec n'importe de gens. Traiter de tous les noms. Et puis là, il y a un vagabond fashion. Hein? Nèg qui a un bon kidnapper. Nèg qui fait l'argent, il y a un droit qui baille au lit. Nèg c'est aussi qui bon monde. Vous comprenez ça? C'est là, c'est comme ça, monsieur fait l'argent. Donc, bon monde, pas important pour lui. Donc, changement, progrès pays d'Haïti, pas important pour lui. Parce que changement d'Haïti, progrès pays d'Haïti, il va faire l'argent. Là, on a fait comme normalement. On a dit, dans la radio que tu es lié, si tu appelles ton $400 américains chaque mois, quelques milliers de dollars haïtiens, c'est seulement ça l'a gagné. Ce radio vive de publicité seulement. De publicité. En Haïti, eh bien, il y a un peu de publicité et de l'argent des politiciens. Et l'argent politicien, on est sorti dans la caisse d'État, pays d'Haïti. En plus, là, on est sorti dans la drogue. Donc, on est riche, on est riche. C'est la richesse facile. Tout nègre veut arriver. Tout nègre en Haïti veut une belle caille, veut une belle chambre, veut gagner une belle voiture. Veut gagner un cacheté bateau. Hein? Bateau. Alors, regarde, il y a en Haïti. Il n'y a pas petite meuse, non, il y a un bateau. Il y a aussi les mandats de classement à l'ENU, je dis, il y a un bateau. Il a pris un bateau qu'on vend longtemps, il a pris un bateau avant, je dis, ah, c'est pas jouet ça. Il faut faire des années à travailler. Hein? Voici le pays que nous avons. Hein? Donc, c'est mon monde qui n'est pas honnête, yo, qui n'est pas sérieux, yo, c'est eux qui parlent comme un honnête sérieux, je dis. Nèg qui parle dans mes pays, c'est eux qui montent dans mes pays. Yo. Et monde qui plus ou moins tard, je vais faire quelque chose, même si vous n'êtes pas tellement entouré de monde, paraît-il, pour aider à faire les choses. Hein? C'est eux qui sont malhonnêtes. Et ils ont des stratégies, ils ont tout un appareil. Tout un appareil, hein, un appareil de communication pour ça. Je dans l'esprit monde, parce que le peuple n'a pas qu'on lit, malheureusement. Moi, je veux dire, il faut un pays côté tout le peuple qu'on lit. Moun, ça vient un peu trop tard pour eux qui font une grande monde. Au moins, on commence à alphabétiser, au moins, il faut qu'on écrit dans eux. Au moins, on éduquer au niveau politique. Ça, on sénateur, ça, on président, qui ça, on constitution, mais pour qu'ils soient votés au monde. Là, on politicien paraît devant, mais qui ça, on suppose attendre de lui. Hein? On a essayé de dire, mais quel type de presse qu'on a besoin? Mais quel type de journaliste que nous besoin? Avec les gens de l'école, la LU, l'école à gauche, dans deux chambres, les gens qui ont dit, c'est la forme journaliste là, nous n'avons pas besoin de ça.
Pas besoin de ça. Comparution ce jeudi par devant la cour d'appel de l'ancien président à vie Jean-Claude Duvalier. Lors d'une audience qui a duré plusieurs heures, l'ex-chef d'État a répondu aux nombreuses questions des trois juges de la cour d'appel et interrogé sur les cas de violation des droits humains commis sous son régime, M. Duvalier a indiqué qu'il avait toujours intercédé quand des cas de violation lui avaient été rapportés. À la suite de l'audition, l'un des avocats de M. Duvalier, Fritz Canton, a déploré le fait que la Cour n'ait pas respecté les procédures prévues par la loi. Je crois que nous avions exécuté une décision qui avait été rendue par la Cour d'appel, que comme nous sommes des gens respectueux de la légalité et des règles de la République, des décisions de justice également, nous avons obtempéré à la décision de justice, bien que, en ce qui nous concerne, des étapes intermédiaires aient été franchies par la Cour qui n'ont pas respecté l'évolution normale de la procédure. C'est ce que nous avions déploré, malheureusement, lorsque nous avions insisté pour que la Cour suive le caractère normal d'une procédure pénale. Mais aujourd'hui, puisque la Cour avait pris une décision, un arrêt par lequel elle est liée, nous étions tenus de venir avec M. Duvalier aujourd'hui. Il a été interrogé, malheureusement interrogé sur des éléments qui devraient échapper à la compétence de la partie civile et également de la Cour, parce qu'il n'a pas été inculpé pour crimes contre l'humanité, n'a été non plus inculpé pour des crimes de droit commun. C'est seulement qu'il a été inculpé pour détournement de fonds. Ouais, c'est devant le tribunal correctionnel qu'il a été déféré. Ouais, je vois une partie civile habile et vraiment libérée et qui prend le contrôle de la procédure, qui oriente la procédure, qui a même fait des injonctions à la Cour. Ça, voilà ce que nous ne pouvons pas tolérer. En réaction, l'un des défenseurs des victimes sous le régime des Duvalier, maître Jean-Joseph Exumé, a fait savoir que de nouvelles étapes seront bientôt franchies dans le cadre de ce dossier. C'est une audience qui est bien déroulée, parce que le premier bail important, c'est que la Cour demandé pour Jean-Claude Duvalier vienne présenter devant lui. Jean-Claude Duvalier est tergiversé, mais finalement, il est obligé de venir. Et je pense que c'est une première victoire, le fait qu'il est obligé de venir chita devant la Cour pour le parler. Prochaine étape là. Monsieur, c'est la fin de cette émission, là, du et merci aux mêmes qui t'es branché. Le 87.9. Alors, pas oublier. Au moins, c'est artiste qui a chanté là, c'est Villers, monsieur Villers-Pierre. Villers-Pierre vient pour performer dans Irvington très bientôt. Le 23 mars prochain. Donc la performer dans Irvington le 23 mars prochain. En tout cas, merci à vous qui avez suivi le grand débat. On avait espéré retrouver samedi prochain. Donc, on a quitté avec un petit audio de président Michel Martelly. Donc, qui était dans l'Artibonite, qui était adressé là, des paysans. Donc, qui t'a parlé un petit peu de ça que l'on fait pour paysans. Ça que l'on fait en façon pour aider les paysans à avancer. À bientôt. Merci.
président Michel Martelly, qui effectuait ce jeudi une tournée dans le département de l'Artibonite, a déclaré que la lutte contre la corruption est l'une des priorités de son gouvernement. Il a aussi fait remarquer que son gouvernement entend tout mettre en œuvre afin de combattre la corruption sous toutes ses formes. La radio de la musique et toute la musique. Une radio, magazine et de chroniques spécialisées. La radio du futur.